Hey, bienvenue dans ton live Godbrush. Je te prends deux petites minutes de ton temps. Je te fais entrer en studio tout de suite après. On règle des choses bien importantes. Première des choses, on règle ça là. Il y a un abonnement papier à gagner à chacun des lives Godbrush à Aventure Chasse-Pêche. Pour participer, c'est simple. Il y a trois endroits où tu peux avoir des chances. Partage le live que tu écoutes présentement. C'est une chance. Tu le partages sur 20 groupes. Tu as 20 chances. Tag dans les commentaires, dépendamment sur quelle plateforme tu es, les noms de tes amis, donc en commercial avec le nom de ton ami, c'est une chance par tag. Va aimer la page actuelle sur laquelle le, tu écoutes le live et les pages des partenaires qui sont dans le live, c'est cinq chances supplémentaires quand tu aimes la page. Fait que si tu calcules, tu peux avoir pas mal de chances de gagner ton abonnement. Ça c'est réglé, ça se passe à tous les lives Good Maintenant, sur les différentes plateformes YouTube, deux étapes super simples. Dans le bas de ton écran YouTube, juste en dessous de la vidéo, il y a un bouton qui est écrit ⁇ Subscribe ⁇ ou ⁇ S'inscrire ⁇ Tu cliques dessus, tu viens de t'inscrire à notre chaîne YouTube. Juste à côté de ça, il y a une cloche. C'est très important d'aller cliquer sur la cloche pour être averti quand on publie des vidéos. Et évidemment, laisse tes commentaires en dessous de la vidéo. Dans le code Facebook maintenant. Tu écoutes probablement présentement le live sur Facebook. Première, et première étape est de partager le live. Tu vas pouvoir, sur la page, aller cliquer sur « J'aime », évidemment. Et tu vas avoir une icône qui apparaît dans le bas pendant le live sur lequel tu peux cliquer pour être averti lorsque je tombe en live sur Instagram et les autres médias sociaux. Eh bien, c'est s'abonner ou s'inscrire, aussi simple que ça. Comme ça, tu ne manqueras pas de contenu. Je te lâche, je te laisse aller dans ton live Godbrousse. Comment ça va, vous autres? Ben oui, on a changé de décor. Question de faire parler euh, euh, Patrick Daigle, Puis, hey, t'es rendu dans quelle pièce? Il fait tellement fret de ce bord-là. Le feu est gelé, il fait fret. Québec, là, tabarouette, belle chasse, c'est fret en tabarouette. Mais ça va être chaud ce soir, car on a Michel Terrien avec nous autres qui se cache présentement dans la salle VIP, juste en tour de moi. Et puis, euh, rapidement, vous avez vu pour le concours, bon, ben tag ton, tes chums, partage. La page ce soir, vedette, pour avoir tes cinq chances de plus. C'est la page Facebook de Chasse Québec. Donc, tu vas sur Chasse-Québec et tu t'inscris ou tu fais like. C'est cinq chances de plus. Je pense que ça en vaut la peine parce qu'on a un abonnement comme ça à partir à toutes les fois. aura d'autres prix, vous allez voir, je vais les faire apparaître, mais je n'y serai pas même longtemps pour faire monter Michel. Juste vous dire, demain, on est en tournage. C'est pour ça qu'on a rapatrié le live ce soir. Mais dans la journée, je me connecte pour vous parler d'une formation sur laquelle on a mis la main, le Centre de simulation médicale tactique de l'Est. Assez hallucinant, formation de premiers soins adaptée aux chasseurs. Je vous parle de ça demain. J'arrête tout ça. Je fais monter avec moi Michel. Comment ça va, Michel? Hey, salut Martin, ça va bien, toi? Ça va super bien, super bien. Là, moi, euh, Mec, j'ai des espions. J'ai du monde qui, qui sont alentour de toi la fois. Qui, je ne sais pas si ta photo-là, c'est toi qui l'as pris ou qui, qui l'a laissé traîner, mais vous montrez à quel point la vie d'un guide, la vie à Michel Tarrien, on va rentrer dans l'intimité de Michel Tarien. Là. Comment ça peut être mouvementé, puis comment est-ce qu'il peut manquer de temps dans sa vie, ce gars-là? Michel, tu vas-tu vraiment faire tes changements de roue, tes changements de pneus avec un chevreuil dans le bois du pick-up? Explique-moi ça. <laughs> ben, idée, pour mais... intense, -là, là. Ouais, ça, j'étais à saint raymond de portneuf neuf là, chez Germain Chevrelet, puis euh, je guidais, euh, dans le fond, je guidais complètement dans le nord de cette région-là. Puis il annonçait une bonne tempête de neige, donc on avait un chevreuil de prélevé. Puis je voulais le descendre chez le boucher. Puis euh, le boucher ne pouvait pas le prendre à l'heure que je suis passé pour faire mon changement de pneu et mon changement d'huile. Puis moi, je retournais dans le bois. Je suis arrivé, euh, arrivé comme ça avec le chevreuil. Euh, J'hésitais, je, je, je me demandais s'il fallait que je débarque avant. Euh, sur le bord du garage. Mais, là, je me les, les gars, ils en ont vu là, dans la région de Port-Neuf, tout le monde va à chasse. Un petit peu. Ils ont trouvé ça bien drôle. Moi, je suis arrivé, j'ai laissé le truck à l'entrée, puis le chevreuil était dans la boîte. Ils ont fait plein de photos. Puis on, a, on a ri de tout ça, c'est sûr. <laughs> mais ça reflète un peu. Quand, quand on était à la course pour la chasse, surtout en pleine saison, puis qu'on a à produire, Michel, pour, pour oui. ceux qui ne le savent pas, puis c'est pour ça que je vous invite à aller voir la page de Chasse Québec. Hein. Michel produit beaucoup de stocks en collaboration avec la CEPAC, plusieurs territoires fauniques. C'est pas pour rien qu'on a Michel comme chroniqueur vedette, à part d'avoir fait du guidage depuis quoi, genre, 16 ans, je pense, euh, était à peu près partout. Puis quand on est en pleine saison, là, de de production, proprement dit. Là. Ça arrive souvent qu'on n'a pas le temps. Là. Tu sais, tu arrives à la maison, le soir, c'est comme, hey, je vais manger quoi pour souper? J'ai pas eu le temps d'aller faire l'épicerie. J'ai pas. <laughs> tu sais, mais celle-là, par exemple, honnêtement, moi, je ne l'avais jamais vu. Ça, là, euh, arrêtez, je vais faire changer ses pneus avec un chevreuil dans la boîte. Elle n'est pas pire en tabarouette. Pour vrai, là, elle n'est vraiment pas pire. Michel, tu sais, on avait un tirage euh, là, dans le dernier live. On avait demandé aux gens d'essayer d'identifier le véhicule qu'il y a là. là dis-moi, parce qu'ils veulent tous l'entendre, tel quel des deux. <laughs> J'ai la, de, la petite face de frisinette, là, la petite face de pète avec la capine blanche. C'est moi, j'avais les cheveux blonds, blonds, blonds quand j'étais jeune. Ça, c'est ah, ma oui. mère. Ma mère, euh, Clara, est enseignante à, à l'école Sainte-Croix, dans, dans les Laurentides à l'époque. Puis euh, le box, c'est mon père qui avait prélevé ça. C'était vraiment un, un chevreuil volumineux. On voit la grosseur de ses pattes. Puis en même temps, ça nous fait penser que les, les toitures des véhicules à l'époque n'étaient pas construites de la même façon qu'aujourd'hui. Parce que ça, c'est un bas qui avait été prélevé dans le coin de lac là, un petit peu au, au sud de, de Mont-Laurier. Puis c'est moi qui ai le, le petit gilet bleu. Là. Puis on avait demandé aux gens de deviner c'était quoi la marque du véhicule qui entoure. La première des choses, dis-moi c'est quoi la marque du véhicule qui entoure. C'est un BioWick. C'est un BioWick? Puis, ouais, on l'a fait le tour, on a regardé avec les heures de publication, parce qu'on voit les heures des commentaires. Te tu te souviens-tu du nom du premier qui a, qui a nommé le bon véhicule? Il me semble que c'est un GF, quelque chose. Garnon, exactement. Jeff Garnon, mmh. si tu es, si es à l'écoute présentement, si tu es, si es là, sinon on va communiquer avec toi. C'est toi qui as euh, le premier identifié le véhicule, fait que tu gagnes ce que Michel avait à faire. Tu avais euh, un, un livre dédicacé de l'homme des bois là-dedans. Je pense que tu avais une clé USB de Carl aussi, je ne me trompe pas, mmh. c'est ça? Ouais. puis la clé, de, la clé USB de Carl comprend justement le chevreuil. C'est la, la, la nouvelle clé USB. C'est euh, ben les, les deux servidés qui sont dedans. C'est les il deux est servidés. De bon, c'est bon. Regarde. Viens de le voir. Là. Fait que ouais, c'est ça. Fait que tu as, as, as les deux servidés à l'intérieur d'une clé USB bon. comme ça. Oui, il y a l'orignal et puis le chevreuil dedans. Fait que euh, quelqu'un okay. qui veut apprendre le langage, euh, on fait le tour. Là. On fait le tour de euh, qu -ce, ceux qui jasent au Québec. C'est les deux servidés. Moi, là, tu te souviens-tu de m'avoir vu quand je commençais, à, je, je commençais, je pense, à, à animer l'émission? J'avais acheter tes, 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 tes DVD, mais tes CD. Puis Je mettais tes CD et j'avais un Jeep, euh, les vieux Jeep, en tout cas, j'avais un vieux Jeep. Il y avait un lecteur CD dedans. Puis Pour vrai, là, ce que j'utilise présentement comme cadre, je l'ai adapté à ma voix. Tu m'as déjà entendu parler, je ne suis, suis pas un Michel Terrien, mais je, je l'ai adapté à ma voix à moi. Mais ce que j'utilise comme code, moi, quand je fais les émissions, c'est carrément ce que j'ai appris sur tes CD, Michel. Puis, tu sais, encore aujourd'hui, je le fais pour me rafraîchir la mémoire parce que je t'ai commandé une clé USB. Aujourd'hui, dans les chars, ça va mieux comme ça. C'est toujours la de aux lumières rouges de voir à le monde alentour faire comme... <laughs> Veux-tu même me dire que c'est -ce qu'il fait, lui? Veux-tu même dire que c'est -ce qu'il fait là? Là, <laughs> on va avoir un autre concours, mais je veux te complimenter, Michel, avant. Je trouve que tu es rendu pas mal sa coche, point de vue fashion, moi. Parce que vite de même, là, pour ceux qui ont écouté Yellowstone, là, prenez Rip dans Yellowstone, enlevez à la barbe, <laughs> puis je vais t'agrandir, l'écran bouge pas deux secondes. Vous l'avez devant vous autres présentement, c'est Rip, pas de barbe, il y a la chemise Yellowstone toute, tu es sur la coche en tabarouette, mon Michel, à toi. Ah, Je vais prendre ça comme un compliment à Martin. Mais euh, Rip, il est un peu plus tannant que moi, je pense. Peut-être. peut-être. Je ne sais pas. Il y, y, y a bien du monde dans ta gang qui pourrait répondre présentement, qui sont connectés. D'après moi, on n'aura peut-être pas, pas cette réponse-là, comme tu viens de le dire. Là. Pas, pas Mais sûr. quelle série pareille? Euh, Il y a le stand pour vrai, là, quand tu mets ça en perspective, la qualité des images, les scénarios, euh, toutes les histoires, euh, les chevaux là-dedans, le ranch, les, les, les ex-bandits qui s'en vont travailler dans le ranch. Les liens avec les peuples autochtones, les liens avec les enjeux économiques, les enjeux écologiques, puis les jeux d'acteurs, c'est incroyable. Là. Pour vrai, c'est ouais. du grandiose. Moi, je trouve que c'est grandiose. Ben, c'est une belle série. Les gens qui l'ont pas suivi. Il y a des scènes de chasse en plus là-dedans. Là. Oui, 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 oui. Puis tu sais, oui. je veux dire... Le minding, même, même les leçons de vie au travers de ce qui se passe, entre autres entre Rip, là, celui de à qui tu ressembles présentement tel un icône, tel un top modèle, euh, et Bess, sa, sa, sa conjointe, là, les leçons de vie par bout, attelage des cols, je veux dire, mouche, bien tout croche. Puis là, ça tombe qu'on a eu une conversation là-dessus, moi, Piquette, dans la journée, elle me regarde, c'est ben, pas mal, les fleurs, toi. Parce qu'ils viennent de passer une leçon de vie là-dedans, une conversation qu'on a eu dans la journée, c'est comme, ils sont toujours sur la coche, c'est incroyable. Ben, je voulais te féliciter pour ta chemise. puis... Il y a quelque chose d'autre sur quoi je veux te faire parler. Parce que là, tu m'as proposé de relancer le concours, mais avec un item qui a de la signification, qui a pas mal de signification pour toi. Je vais te mettre la photo à l'écran. Tu te souviens de m'avoir envoyé cette photo-là. Et tu voulais faire quelque chose ouais, avec elle. Ben oui. Je veux que tu m'expliques ce que c'est avant. Parce que là, a, nous autres, on a une capine sur une, sur une boîte à lunch. Là. Ça vient de où, ça? Là, là? Oui. Ça, c'est un, un guidage que j'ai fait à, à l'époque. Je J'étais entre le Cégep et l'université, puis euh, il, il y avait vraiment un gros chevreuil qu'on courait après, ça doit faire trois ans. Pis, là, si j'étais avant la vingtaine, là, on n'était pas dans, à l'époque qu'on avait des tas de carottes et des tas de pommes, là, on chassait des grattages, pas, on chassait des passes naturelles. Pis le monsieur que je guidais, il avait un vieux camp de chasse euh, dans le secteur du lac Pinef. Ça, c'est près du lac Nominang. Ok. Puis il avait ça dans son camp. Il y avait cette vieille boîte à lunch-là qui avait appartenu à son père, genre. Je travaillais dans le milieu des mines, puis il y avait ce capin-là que j'ai dans les mains. Là. Il y avait ce capin-là, puis moi, j'avais ouais. joué avec. On me fascinait, tu sais. C est, c est, c est, c est, je veux dire, ça passe de l'histoire, puis ça sentait le cèdre. Puis j'avais dit au monsieur, j'ai dit, on fait un deal, ils le pogne, le fichu de gros boc, ça fait des années qu'on court après. Ai dit, je veux... Il m'avait offert un couteau, j'aimerais mieux avoir le, le, le thermos, tu sais, le vieux thermos, puis j'aimerais ça avoir ce chapeau-là. Parce que moi, je suis un amateur d'antiquité, tu sais. Je suis vraiment un amateur d'antiquité. Puis j'avais eu un coup de cœur pour ça, je l'avais manipulé puis j'avais vraiment un coup de cœur. Dans le fond, le concours qu'on pourrait faire, ça serait de, de dire parce que je sais l'année que ça qu a, ouais. qu 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 a été fait, ce chapeau-là. On va le remettre en ligne, Le chapeau qu'il y a là, tu veux qu'on détermine ouais, l'année qui a été faite ce chapeau-là? le premier ouais. qui va dire, parce que tu sais, c'est vintage pareil, là, le premier qui va tomber ouais. exactement sur le nez, on va le gâter. Il y a encore des, euh, une clé USB. On parle de Chevret, hier soir. On a une clé USB sur oui. le langage de Ça pourrait être un autre en fait. livre. Euh, N'importe quoi, là. Ben, écoute, j'en ai un en main. Là. Moi, je peux, peux, peux faire des shippings. On peut y aller avec une, une clé Bingo. USB. Il y a un livre. Il y a d'autres choses en réserve. On se garde ça si jamais on veut faire... Si on hey, fait l air. L air. Ça lève, là. 1974, 1954, 1950, 1967, 1962, 1958, 1955... <laughs> les paris sont lancés. S'il y en a là-dedans, gardez-moi. 1912, 1980. <laughs> hey, <c 'est>... 1975, <laughs> ça y va là. <laughs> ça y va solide, là. ça lève là, là. Tout le monde guette. 1944, 43, 42. Ils vont toutes les faire. 66, 40. Hey, ça m'écrit un message privé en plus pour me le dire. 70... 72, 66, 40, 42, 43, 44. En... 1968, 1937. 108, 55. 69. Écoute, heureusement tu m'écrives par, par message, c'est quoi? 74. Ah, ça y va. 1934, 910, 932, 55. Ah, ça y va solide, là. Écris-moi, écris-moi peut-être par Messenger ou mail, écris-moi par Messenger, c'est quoi l'année? Comme ça, mais que je la vois y passer, je vais je t'arrêter puis je vais le. Ouais. Ça va. Ça va, ça va m'éviter de, de toutes les coller. 1962, 1978, euh, 1828, <rire> 1944, <rire> 1973, 48. 1901. Ah, ils y vont, ils y vont. OK. Écoute, euh, ce soir, on embarque dans de la technique au niveau de la chasse au chevreuil. Euh, Je prends la peine de remettre en place, comme on l'a fait dans le dernier live. Beaucoup, Michel, te connaissent pour la chasse à l'orignal. Euh, c'est ton icône. C'est ce que tout le monde te voit, quand, te voit comme le dieu de l'Orignal au Québec. Il euh, faut savoir que le premier guidage payant que tu as fait, toi, c'est un client que tu guidais au cerf de Virginie. Puis tu as aussi été. Euh, je vais aller chercher une photo là, qui est très évocatrice selon moi. Là. En tout cas, moi, je l'aime bien gros. Là. Le, le canon que vous voyez derrière, là, la pourvoirie canoc, là. Michel a été là au début des efforts de conservation des grands mâles, dans les premiers balbutiements de tout ça, à travailler, à conscientiser au niveau de, au niveau de, la, de la pérennité du cheptel. Michel est dans le Chevreuil depuis longtemps aussi. C'est la raison pour laquelle on t'a demandé de faire avec nous autres un live sur le, le côté technique du Chevreuil. Puis le premier sujet que tu m'as lancé, c'est le sujet, je pense, qui est, je vais te dire ça de même, puis tu me corriges si je me trompe probablement le moins bien interprété par les néophytes, je dois dire ça de même, pas, pas un manque de connaissances, le moins bien interprété dans les néophytes, on parle des grattages. Ben, tu vois, je t'ai fait un beau, euh... écoute, c'est toi, c'est les photos que tu m'as envoyées, je t'ai juste ramanché ça un peu, question qu'on... Euh... Ben, les grattages, les grattages pour toi, tu t'en sers comment? Vas-y, vas-y un petit peu, c'est quoi les grattages? Hein? Euh, Introduis-moi dans ce sujet-là. Donc, tout d'abord, Martin, qu'est-ce qu'il faut retenir des, des grattages, c'est que, que les chevreuils, contrairement aux orneaux, c'est des animaux qui sont munis, munis de, de plusieurs systèmes glandulaires. T'sais. Ils ont beaucoup de glandes. Ça colle moins fort qu'un ornial, puis la période de reproduction est extrêmement brève. Puis eux autres, contrairement aussi aux orgneaux, c'est qu'ils ont vraiment le nez collé à terre. Ils ont tout le temps, tout le temps le nez à terre. Fait que pour qu'ils soient capables de se reproduire avec un taux de succès très élevé, il faut qu'ils envoient dans la forêt, dans la nature, des signaux olfactifs. Puis, tu sais, un grattage, dans le fond, euh, je me plais à dire qu'un grattage de chevreuil, c'est comme ouvrir une page Tinder. Parce que c'est bien drôle, là, le, la métaphore que je fais, mais pensez-y comme il faut. À chaque fois qu'un chevreuil commence par déloger le sol, là, je, vous ai, je vous ai amené une patte de chevreuil, là, pour la, 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 la ciné formation que je vais donner avec vous autres, dans le fond. C'est qu'entre les sabots du chevreuil, tous les chevreuils confondus, il y a un organe qui s'appelle l'organe interdigital. C'est un petit dépôt sireux qu'à chaque fois qu'il met le pas au sol, avec le transfert de poids qu'il fait, ça reste au sol. Puis à chaque fois qu'il met le pas à terre, il laisse une marge vraiment olfactive au sol. C'est pour ça que si une mère et un bébé, exemple, sont, euh, ils ont peur parce qu'il arrive quelqu'un à VTT, par exemple, le bébé part à droite. La femelle à part à gauche là, on a peur que le bébé retrouve pas sa mère ou que sa mère trouve pas son enfant, tu sais. Mais ils vont se retrouver, ils vont sentir au sol, puis ils vont trouver comme un chien, de sang, comme vraiment un épagnol, comme vraiment un chien de traqueur, ils vont retrouver l'odeur respective de cet animal-là, puis ils vont suivre, puis ils vont trouver l'auteur de la trace, t'sais. ils vont la trouver physiquement. Fait un grattage, pourquoi je dis que c'est une page Tinder, c'est que en partant un grattage, il y a plusieurs chevreuils qui vont là. Au début, là, je te dirais dans les années 70-75, on, on pensait que c'était le propre d'un, la signature d'un Boc. Mais on sait maintenant, avec l'usage de caméras de surveillance, on sait par des études scientifiques qu'il y a jusqu'à un record, il y a juste 13 Bocs qui ont été vus sur le même grattage. Car bas, il y a Chico, dans la même année, il en a prélevé 7 sur le même grattage. Moi, j'ai des caméras de surveillance dans plein de régions. Des fois, je me suis rendu à 5 ou à 6. Alors le chevreuil, quand quand qui arrive à un endroit, oui, Michelin, Michelin méthode, qui vient de sortir la date là, là. excuse-moi, j'étais pas atten... étais attentif mais je suivais les Michelin méthode, c'est toi qui euh, qui je vais l'écrire à l'écran là. Euh, c'est toi qui as trouvé la date en premier, 1962 euh, et ça tournait alentour 63, 64, 63, 64. Michelin méthode, euh, c'est toi qui, euh, qui, qui, qui qui remporte le prix. Tu es la première à oh, attends un petit peu. On a un... Oui, ah, ben, je pense que oui. C'est quoi écrit? <laughs> Juste pour vous dire, c'est le même nom. C'est le même même nom là, qui, qui arrive de l'autre bord de la régie. avec euh, Michel une ah, méthode, c'est la bien première bien. que je l'ai trouvée. Fait que tu te, tu te mérites, on va t'envoyer. Écris à Kate ou à moi, euh, on va t'envoyer ton livre. Euh, donc, euh, L'homme des bois. Euh, honnêtement, c'est du bonbon. Là. Ça, ça se lit sur le bord du feu, en fait. Je ne peux pas lire ça autrement sur le bord du feu. Sur le bord du feu, au pire, tu allumes le feu à la TV puis tu lis ça là. avec la clé USB, euh, comprenant les deux servidés. On peut le commander sur ton site. Hein? Oui, www.michelterien.com. Le livre aussi, ouais. puis euh, les produits Gobio, euh, tout est là, facile. Les, tout les inscriptions tout de la est là. Tout est là. Ouais. Micheline, rentre en, en communication avec moi ou avec Kate. Question de nous donner ton adresse, ça va partir dans le courrier euh, demain ou après-demain. On a des tournages au travers de ça, mais assez rapidement, je vais m'occuper de le mettre euh, dans le courrier. Tu m'excuses, Michel. Je te laisse continuer là-dessus. C'est très bien parti. Ben, regarde, a, a, a Martin, ce que je vais faire, je vais faire du pouce avec, avec Micheline qui vient de gagner ce prix-là, puis je vais revenir oui. avec la, la calotte. Pas Pourquoi? Parce que cette année-là, tu sais, à l'époque, la science était moins omniprésente. Puis comme je te disais, nos techniques de chasse étaient vraiment axées sur les frottages et les grattages. Puis écoute, oui. cette histoire-là, cette, cette année-là, ce qui m'avait permis de, de me voir remettre euh, cette, cette calotte-là, c'est qu'on avait prélevé un super gros chevreuil. Le il avait 14 points, puis il pesait 248 livres. On l'avait tiré sur un grattage. J'avais posté mes gosses des lignes de grattage. Puis je faisais du ratling en retrait, c'était vraiment tout qu'un chevreuil. Il m'avait épaté, ce chevreuil là j'ai eu la misère de sortir du bois. Puis le, le monsieur qui l'avait prélevé, il avait perdu son couteau. On l'avait viscéré proche du grattage. Il m'a neigé, puis il a perdu son couteau. Fait que le lendemain, euh, le lendemain euh, matin, je me suis levé puis je dit je vais aller trouver votre couteau puis, Quand je suis arrivé là-bas, il a neigé pendant la nuit. Il y a un autre boc chevreuil qui est revenu, puis qui a refait le grattage qu'on avait tué le chevreuil. Ça, stupéfait parce que j'étais jeune. Je n'avais pas lu ça encore. C'était pas encore dans la nomenclature scientifique, tout qu'il faut. Puis là, j'avais dit, Kim, moi, j'étais sûr que c'était le grattage d'un boc, tu sais. Puis il y a, il y a un chevreuil qui est venu, puis lui, il a tout fait les rituels. Puis quand je dis tous les rituels, ça me permet de parler de ça, l'importance de ça. Après ça, je parlerai comment chasser des grattages, parce qu'on frappe, on prélève beaucoup de gros bocs d'un grattage, autres, les gars d'équipe Chasse Québec, puis quand on guide. Un vrai grattage, là. un vrai grattage, il y a plusieurs messages olfactifs. La première affaire, on déloge les feuilles du sol, on enlève toutes les feuilles qu'il y a là, au complet. Fait en faisant ça, l'organe interdigital, il reste au sol. Regardez ça, c'est ça un de nos gros bocs dans la région de Porneuf. Il est gros du casque, il est incroyable. Fait que là, regardez, ses pattes sont rentrées, là, on ne voit même pas ses sabots. Fait que ces quatre pattes sont rentrées dans le sable. c'est sûr qu'à ce moment-là, il laisse plein d'odeur. Le deuxième aspect qu'il va faire, le chevreuil, c'est qu'on voit ses pattes arrière, vraiment, dans le joint des pattes arrière, ou ce a, appelons ça le coude, là, où ce qu'il y a vraiment, vra vraiment là où il y a l'empreinte du mouvement. Là, il y a l'organe à l'arrière, ça, la glande tarsienne. C'est extrêmement important parce que le chevreuil, il va uriner, il va coller ses deux glandes ensemble, il va les frotter, puis l'urine va couler à l'intérieur de sa cuisse, va venir toucher la glande tarsienne, puis là, ça va couler sur son tibia, puis il va, il va la déposer au sol. Dans le grattage. Fait que dans le fond, qu'est-ce qu'on qu a? Qu'est-ce qu'on retrouve à ce moment-là? C'est une signature biologique. C'est une signature oui. biologique de cet animal-là qui, de surcroît, va venir. Il y a un vrai, de vrai grattage, Martin, il y a toujours une branche au au en haut du grattage. Là, il va dire. Il, il va mettre la salive, il va la briser, donc salive. Après ça, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'il va aller mettre un petit dépôt d'organes préorbitales, salive, puis là, évidemment, urine au sol, plus qu'est-ce qu'il entre les sabots. Que ça, je dis, c'est une page tender. C'est un endroit. Également. Les communautés. Une boîte aux lettres. tu veux savoir, c'est qui les chevreuils du coin, tu veux te remettre à jour, ou si tu es un bac qui vit à 6 km de là, puis qui arrive là, là, tu as tout. Puis, ils ont tellement de sophistication olfactive qu'il y a des femelles Il y a des faux. Le boc chevreuil, il va vraiment expérimenté il va rentrer là-dedans, il va sentir, il va rafraîchir le grattage, puis il va être capable, à partir des, de, de, de toutes les, les 100 mètres alentour, de dépister parmi les odeurs quelle est la femelle qui semble la plus interactive ou la plus à propos pour la période de stress Les grattages, s'il arrêtait d'en faire, Martin, là, ça réduirait le taux de fécondité. Parce que c'est l'endroit où on, 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 on se surveille, on s'analyse. C'est là où est-ce que Tinder prend tout son sens. Je veux dire, c'est vraiment une place pour trouver, pour s'accoupler. Nous, nous autres, on fait ça pour le faire, les autres, font ça pour de vrai. Et, 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 écoute, c'est quand même assez particulier parce que tu as vraiment un mélange biologique, puis tu l'as dit, là, une signature biologique qui est très, très, très particulière par animal, puis ça devient excessivement, excessivement important, là. Oui, puis qu'est-ce qu'il faut comprendre? Puis ça, j'insiste là-dessus. Tu sais, si tu as 13 bots différents dans des études en Géorgie qui vont sur le même grattage, ce n'est pas l'endroit où Jean-Paul a décidé de mettre son tas de carottes. C'est <laughs> un endroit dans l'environnement qui est souvent une forêt de transition, un endroit qui est complètement à propos pour eux autres, où les chevreuils ils ont décidé que c'était là que ça se passait. Fait que d'année en année, c'est tout le temps bon. D'année en année, c'est tout le temps à propos. De garder des offensives de chasse à ces endroits-là. Je vous explique un des chevreuils qu'on qu a prélevés, en fait, le, cette année, le dernier, parce que la chasse terminait. On a trouvé, euh, j'étais avec mon gars, j'étais avec Charlot, euh, Louis-Philippe Laurent, euh, Mario Roy, toute ma gang qu'on chasse dans Port-Neuf. On le connaît bien le territoire, on a plein de caméras, on connaît les bacs, on leur donne des noms, comme celui que tu as montré tantôt. Là. Ça, c'est un autre, lui, il est plus dans l'Outaouais. Puis écoute l'affaire. On trouve des grattages l'avant-veille de l'ouverture de la chasse, pendant qu'il pleut, fait que, on ne veut pas contaminer cet site là Et Finalement, on l'a chassé, on a mis des appâts en retrait pour garder des femelles proches, mais on n'a pas mis des appels, ce qui est grattage. Il y a des bocs qui ont rentré là-dedans, là. il y a rentré trois bocs de jour là-dedans. qu'un matin, on s'est dit, on s'en va là, on attaque, on a mis, mis quelqu'un qui était sur le ratling, on a mis quelqu'un qui couvrait une passe, puis moi je couvrais une autre passe. Puis quand on a tiré le boc, il y en a un autre qui s'en venait. On il, y le ou... qui là il y en a beaucoup qui demandent là-dessus, là « Avais-tu mis quelque chose de synthétique ou d'organique sur place? » Non. À cet endroit-là, précisément, à, à cet endroit précisément, ce que j'ai fait, c'est sûr qu'on l'aurait joué dans la tête. Parce qu'on avait un autre endroit qui avait des grattages. Je te dirais peut-être comme 8 km plus au sud, on avait trouvé des grattages, puis moi, j'ai pris une pelle de jardinage. Tu sais, il y a beaucoup d'affaires dans la nature. Je ne dis pas qu'on n'aurait pas eu de succès aussi en utilisant des urines. Mais j'ai tout le temps une pelle de jardinage dans mon sac, puis j'ai des ziplocs. J'ai trouvé des grattages frais, puis j'ai juste pris la surface du grattage, j'ai pris la terre qui était très odorante, j'ai mis ça dans le ziploc, puis l'après-midi, je suis allé remettre ça dans l'autre grattage. C'est sûr, je l'aurais joué dans la tête, là. J'ai joué dans la tête des cheveux qu'il y avait là, parce que je suis arrivé un peu comme un nouveau, nouveau dans le village, tu sais. Puis là, on dirait que, avec nos caméras, on a vu que suivant ça, ça a créé une espèce de commotion parmi les chevreuils. Ils ont comme voulu rentrer en contact avec ce qui c'était ce là Puis là, il y a eu de l'activité pendant trois jours à l'entour de ces grattages-là. Alors, tu sais, il y a des secteurs qu'on peut utiliser pour faire euh, de l'apantage il y a des secteurs qu'on peut utiliser pour faire du rentling il y a des secteurs qu'on peut utiliser pour faire du grunt. Ça, j'y reviendrai j'ai tout ça sur ma table ici. Là. Mais les grattages, qu'est-ce qui est important, c'est de ne pas faire peur aux chevreuils qui vont là. Parce que c'est un milieu qui est bien intime. Puis ça se peut que tu deux, trois bocs. Puis ça se peut que tu aies une communauté de femelles qui va là. Puis il y a une femelle qui va là qui, elle, attire ces bocs-là. Puis elle, des fois, elle est à de ça. Puis elle, elle vaut l'équivalent de 20 autres pommes. là. elle est en période d'ostrusse. Puis c'est prouvé, écoute ça, comment ça a de l'impact, Martin, une femelle chevreuil en rut, C'est prouvé que les chevreuils peuvent avoir des jumeaux qui proviennent de pères différentes. Fait qu'imagine, oui. elle, pendant trois jours, là, elle peut se faire féconder par deux, trois bocs. Elle, est elle, de a devient, elle a devient la vedette Tinder. Son... Ah oui. son Tinder, il est boosté à côté. Puis les bocs, les ils le savent. Fait il là, Il y, y a des Starbucks, puis il y a des bébés papillons. C'est des bébés papillons de la place. Tu devrais voir les commentaires. C'est du malheur que tu les pas en direct, hein, parce que ça fait réfléchir les gens. Soit hein, j'ai des questions qui passent comme, comment, comment peut-on penser à la complexité de la signature biologique que représentent l'interdigital, les tarsiennes, les, 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 les préorbitales. Reproduire une signature biologique comme ça de manière synthétique, il faut juste comprendre que si on ne reproduit pas de manière synthétique une, une signature biologique complète, on va s'approcher d'une odeur qui peut intéresser parce qu'elle ressemble à, mais d'acide, d'assal. puis on en, on, on, ça mériterait quasiment un live au complet. Il faut faire attention, il y a des ratios de... Euh, les ratios de compétition dans des secteurs là, où est-ce qu'on peut ou on ne peut pas utiliser ça parce qu'on va carrément faire changer l'habitude des grands morts, littéralement. Puis juste ça, c'est une science. Tu vas être d'accord avec moi, Michel, certainement. Et y des endroits comme ça où est-ce qu'on peut carrément pas le faire parce que si on le fait, on vient de complètement foquer la patente. Mais complètement foquer la patente. Moi, ce qui m'intéresse, c'est une question que j'ai reçue. En passant, on, on, on diffuse sur plusieurs plateformes. Vous voyez pas tous les messages qui passent puis tous les commentaires qui passent. On est même rendu sur la patente de jeu Twitch. Là. Euh, que si vous êtes sur Twitch, vous pouvez nous pogner. Combien de temps tu peux garder, c'est une demande d'auditeur, c'est une très bonne demande, combien de temps tu peux garder les parties de, 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 de souilles, que ce soit ornial ou grattage, si on parle de chevreuil, dans un sac Ziploc, et est-ce que ça se congèle pour l'année d'après? Mm -hmm. Oui, ben, c'est sûr c'est une excellente question. Par contre, c'est une question qui va demander que je nuance la réponse, parce qu'à titre d'exemple, un hein, exemple. À un moment donné, j'arrive sur, un, sur, un, sur une souille d'orignal, puis là, je passais là la veille. Fait que je repasse avec un nouveau client le lendemain. Puis là, la là mais il a, ça a gelé pendant la nuit. Probablement que il la trouve vers 7 heures le soir ou quelque chose comme ça. Mais ça, ça a gelé pendant la nuit. Le mercure est descendu à peu près 4, moins 4 degrés. Fait que toute la surface de la souille était gelée. Puis là, on est arrêté, j'ai mis le genou à terre. Puis là, le gars, il dit ah, Elle n'est pas fraîche t'sais. elle n'a pas l'air fraîche, je dis fraîche Il était pas ici hier, je l'aurais vu. T'sais. Puis là, en, en mettant un peu d'eau à la surface du, du grattage avec ma bouteille d'eau, on a vu tout de suite ça s'est mis à sentir. J'ai dit ça, c'est une souille qui date d'une coupe d'heure. C'est juste parce ça gelé. Puis en gelant, ça a enlevé un peu l'impact des molécules d'odeur, tu sais, de l'urine de starnial là Alors, euh, qu'est-ce qui affecte la terre d'un grattage, exemple? C'est s'il y a mouillé, s'il y a eu du vent, tu sais, un euh, paquet d'affaires. L'érosion. Oui, exactement. T'sais, nous autres, on fait des tests. On a le, le cache-odeur euh, Chasse-Québec, du sapin baumé, puis d'épinette. Puis on fait beaucoup de tests, tu sais, euh, selon la concentration qu'on met dedans. Quelle concentration de sève qu'on met dedans? 20 15 30 avec de l'huile minérale, on, a, on est rendu qu'on a vraiment une belle, une belle façon de travailler ça. Puis on l'a on a en spray sur du linge. Deux, on a en spray avec peu de concentration, beaucoup de concentration, pour de retourner sentir après une journée, deux journées, trois journées. Puis on voit que l'érosion se fait, l'érosion affectif se fait là, au niveau de, de la senteur, la preneur des senteurs. Mais qu'est-ce qu'il faut faire attention? C'est évaluer cette odeur-là, la question du, du monsieur, Évaluer cet odorant fonctionne fonction de l'odorant des autres. T'sais. Notre odorant nous autres, elle peut nous dire Ok, là, la, la terre, quand je roule le ziploc, elle sent, mais il faut que je rentre la tête plus de date qu'elle s'en. Mais le chevreuil, il est tellement un grand olympien en matière olfactif qu'on peut pas dire Ah, moi, je ne la sens pas, hein, mais ne sous-estime pas le chevreuil. Non, 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 non. Le chevreuil, il n'a pas besoin d'une grande concentration de molécules. Par ça, contre, si tu, ouais. tu te rends compte que ça sent le moisi, parce que ça a peut-être changé de température, puis ça, a, ça a fait de la condensation, puis utilise la peau. Parce que si toi, tu sens le moisi, euh, je peux imaginer qu'un chevreuil, euh, ce n'est pas normal qu'une souille euh, ou un grattage à air ouverte avec le vent et toute l'érosion finisse par euh, devenir latent puis sentir le moisi. Utilise pas ça, dacide, mm -hmm. d'acol. Quand tu parles, quand tu parlais tantôt de mélange des différentes glandes, là. Eh, rendez-vous compte à quel point là, il faut que ce soit performant pour être capable d'analyser. C'est carrément comme, comme un ordinateur dans lequel tu rentres une clé USB. C'est aussi complexe que ça parce que tu as des données qui rentrent de plusieurs glandes. C'est endocrinien. De commencer à aller prendre les particules olfactives, les molécules olfactives de, de glandes pour aller les interpréter, c'est quelque chose en tabarouette. Fait que oui, Mike, c'est moindrement. Nous autres, on a un doute au nez. J'imagine que tu ne saches tout simplement pas ça à faire. Là. L'autre affaire qu'on peut faire, on parle de grattage. T'sais, ça, ça c'est vraiment des trucs là, vraiment spécifiques que j'enseigne quand je donne des formations euh, particulières aux chasseurs de chevreuils. mais je vais en délivrer un, une coupe de trucs, mais une un qui est hyper puissant. Si vous avez des sites où vous avez des sais, à titre d'exemple, tu as 7-8 femelles qui vont sur un site, puis le site il est dégarni parce que les chevreuils creusent à terre à cause qu'il reste des petits morceaux de pommes, puis là c'est tout sa terre noire. Mais ça, prends-toi une pelle, prends-toi une pelle, prends ça à pelle ronde puis mets ça dans une chaudière, je veux dire, as-tu idée tout le pilotage qui est là avec les organes interdigitaux? C'est incroyable, là. C'est plein, plein de molécules d'odeur. Tu mets ça dans une chaudière, mets ça dans une pick-up, tu vas reporter ça sans un autre Dans les Mais... 48 heures, 72 heures qui suivent le moment où tu as mis ça à terre, dans une traile de chevreuil, dans un endroit de prédilection proche d'un grattage, là, tu peux faire le saut, là. Tu peux faire le saut parce que c'est clair, tu leur joues dans la tête. Puis tu leur joues dans la tête, tu sais -tu avec quoi? Aucune méfiance. Ils ne viennent pas pour manger quelque chose qui est artificiel, ils viennent en éveil sexuel. Puis quand ils sont en éveil sexuel, ils ont la tête à terre, puis là, ils font des erreurs, notamment, ils sortent de jour. Bien, définitivement, on a, vu, on a vu dans certains secteurs, nous autres, dépourvus de moyens totalement, il ne se passe rien, là. juste virer de la terre, sans, sans rien faire, surtout quand on commence à rentrer en le pré juste commencer à virer de la terre comme des jeunes bocs qui commencent à apprendre à gratter, bien, ça attire la curiosité, puis dernière fois, ça va provoquer des erreurs. On a vu des erreurs de gros bocs qui semblaient voir c'était qui le jeune boc sur place, ben, je, je, je suppose, je ne suis pas dans sa tête, là, mais qui semblaient voir c'était qui le jeune boc sur place, on avait juste viré de la tête. Un point que je veux clarifier, parce ben, que ça a été demandé en commentaire, euh, est-ce que ce n'est pas illégal d'utiliser de l'urine naturelle, euh, au niveau de Chavay, oui, c'est illégal de prélever ou d'utiliser de l'urine naturelle. Euh, là ici, on parle vraiment de ramasser de la terre qui est des rejets au sol, des rejets principalement. Et ce qu'on cherche principalement, ce sont les glandes. Donc, on l'utilise dans le même milieu pour le déplacer ou le mettre sur nous autres. C'est pas pareil du tout. L'interdiction. Puis on pourra. Euh, on pourra publier le texte tout simplement. L'interdiction, c'est vraiment d'utiliser des produits qui sont faits à base de. Donc, on extire puis on, on repositionne. Mais de prendre de la terre par terre puis de la, la déposer plus loin, il n'y a pas. La substance est en élément de trace, elle n'est pas considérée comme étant une bouteille d'urine. Je prends de la terre à terre puis je la, mets à, je la mets ailleurs. Si vous voyez terre dans la réglementation, vous me le direz. Là. Par contre, non, ça ne veut pas dire que vous faites prendre l'urine d'un boc parce que ça a été posé comme question. Arroser de la terre avec. Là, je n'ai pas d'urine sur moi, mais il y a des limites. Hein? Prélever, mmh. vendre, transiter des liquides biologiques de serre de Virginie, c'est illégal. Ramasser de la terre où est-ce qu'il y a des traces d'eux, ça ne fait pas partie de la réglementation du tout, du tout. C'est autre chose, totalement différent. Se frotter avec de la terre, même s'il n'y a pas d'urine, ça fait partie des moyens ancestraux pour couvrir les odeurs du corps humain quand on rentre dans le bois. Euh, c'est des techniques qu'utilisaient dans le temps les guerriers roses, même à l'époque, où est-ce que Cuba traversait du côté de l'Amérique du Sud pour se cacher pour ne pas se faire sentir par les chiens? Là. C est, c est, c est... On est ailleurs. Là. On est complètement ailleurs. Je tenais, je tenais à, le, à le spécifier parce que c'est une très bonne question. Bah, ça fait partie des, 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 du plan de gestion. Mm -hmm. Vas-y, Michel, excuse-moi. Un élément aussi important que j'aimerais rajouter par rapport au grattage. Moi, souvent, quand je mets des caméras de surveillance, tu sais, je, vais, je vais attendre. Les, une caméra de surveillance, c'est un bon outil. En fait, c'est un excellent outil. Mais une caméra de détection, ça peut devenir un piège à chasseur. Je m'explique pourquoi. Si tu as trop d'engouement pour aller voir tes photos, puis aller voir mes photos le matin, aller voir mes photos ah, le midi, oui. bien là, à un moment donné, ces bocs-là sont tellement wise que tu penses que tu ne les as pas fait peur, mais en passant, tu as mis des odeurs, tu as mis ton sac à dos à terre. Je veux dire, quand ils arrivent là, là, quand ils arrivent au grattage, en tête à terre, ils font attention. Puis tu peux arriver face à face avec la femelle, tu te dis Ah, oh, c'est pas grave, c'est une femelle. Non, c'est la femelle qui fait que tout le monde est là. là. Tu fait peur à, la, à celle qui ne pas faire peur. Et fait voilà. que de grâce, Fais tu attention. Une fois que la chasse est en place, ça pullule d'indices. C'est sûr qu'il y a des vacances. <laughs> tu n'es pas tout le temps obligé de faire preuve d'une grande intensité pour tout le temps aller jouer après ça. Là. Puis quand tu y vas, tu sais, vas-y comme si tu allais avoir un piège à, à loup, tu sais, tu sais, mets-toi du sapin frotte-toi, attends qu'il mouille un peu, puis au pire, vas-y de nuit, vas-y quand qu'elle là les prochaines heures, ça ne sera pas des heures de chasse. Essaye de ne pas faire peur à tes cheveux. Puis l'autre affaire, quand j'avais affaire à des gros bacs rusés, tu prends l'article que, que Joël Cormier écrit, le Perfect 10, il oui. hein, oui. courait après pendant des années, c'était ouais, incroyable ouais, ce ouais, quoi, là C'était incroyable. <laughs> Quelles étaient les chances que Joël écrive cet article-là puis que tout de suite, a sorti son, son article qui collecte son Perfect Ten juste à temps pour le magazine qui suivait. Merci ça, c'était comme. Puis en passant, c'est juste en arrière ici. Là. Ça, c'est pas notre oh, ouais. maison de Remarquez, sur un ouais. green screen. C'est juste en arrière ici. C'est là, là. Nous autres, on n'a pas le droit de chasser dans ces bouts-là. Dans le bout où il a, lui, il y a des permissions. Il y a, il y a des permissions de chasse dans ce coin-là. Puis c'est juste ici que c'est arrivé. Il écrit son article. On envoie ça par la poste. Il collecte. Prochain magazine, il fait un article sur la collecte. Ça, c'est comme. Euh... Euh, la patience et le travail. 285 livres vidés, de chevreuil. Mais, <laughs> ben, je veux revenir sur ce chevreuil-là. Pourquoi? Parce que, tu sais, c'est un chasseur aguerri, là, Joël. C'est pas le dernier né en matière de chasseur. Là, puis, là, son son trophy room, il le prouve. Là. Mais Joël, là, il disait qu'à chaque fois. Qu'il voyait ses caméras parce que, comme tu le dis, c'est une place où il y a du monde, des fois, qui vont en VTT. Oui. Où il y a des chasseurs d'outardes, puis il y a toutes sortes d'affaires. À chaque fois qu'il y avait une source de dérangement, là, il y a plusieurs chevreuils qui restaient là pareil. Mais lui, Perfect Ten, là, sa vie était complètement anéantie. Sa vie, là, ses références, c'était complètement. Puis Joël, dans le fond, moi, je lui lève mon chapeau là, parce qu'il a fait preuve d'intensité de ténacité. En plus, il oui. l'a prélevé à l'arc, puis il avait vraiment vu une petite fenêtre de temps. Puis il l'a prélevé, il restait comme dix minutes, là, juste à la brunante. Il connaissait tout son pattern. Puis lui, il se battait contre un chevreuil hyper rusé, un fantôme, mais en plus, avec plein de facteurs agricoles, humains, qui intervenaient, qui faisaient interférence. Puis lui, il ne le savait pas, là, Joël. Mais ses caméras, il lui disaient ça. Mais qu'est-ce qu'il a fait, Joël Cormier? C'est qu'à partir du moment où il a vu une zone névralgique, là, que le bas qui allait, là, Joël, il n'a jamais fait de routine. Il n'allait jamais à la même place. Il portait une attention. Puis il regardait tout le temps ses vents. Puis si les vents n'étaient pas bons, là, même s'il y avait intérêt à chasser, il n'y en avait même pas. Parce qu'il s'est dit la pire affaire pourrait m'arriver. Écoute, il l'a chassé pendant cinq ans. Il avait 10 points de sa tête pendant 5 ans. Puis il ne l'a jamais vu. Il n'a jamais vu ce chevreuil-là. Il l'a vu une fois, puis il a envoyé une flèche d'un poumon. J'essaie de revoir le commentaire. Il y en a un qui écrit arrêtez les boys il va y avoir une pénurie de petites pelles après votre live. <laughs> Il faut, hein, euh, euh, faut savoir que dans le coin ici, là, euh, pour ceux qui connaissent pas Bellechasse, là, il, y a, il y a des secteurs fo très forestiers dans Bellechasse. Mais ici, derrière, euh, où est-ce que, est que Joël a collecté, là, euh, les chevreuils sont en abord des maisons. puis très, très, très honnêtement, là, leurs habitudes, sont excessivement tôt le matin, là, mais de la minute, si nous autres, on les observe, là, alors, la, de la minute que les enfants sont sur le point de sortir pour descendre à l'autobus, vous voyez comment est-ce que la routine d'un bot peut être établie. Après 15-20 minutes avant, là, tu regardes, tu vois le panache à la couette d'épinette. Tu es à 15-20 minutes de sortir les enfants. Poup, ils rentrent dans le bois. Ils enregistrent en tabarouette. Ça disparaît de la map, ça claire complètement. Les dents et les autres, ils restent en plein milieu du chemin puis ils font attendre l'autobus. Mais je te dis, ils sont tellement habitués que 15-20 minutes avant que les enfants rentrent puis ils fassent du bruit avec leurs bottines sur les galeries en bois dans le quartier. Là, tu vois ça rentrer. Tout de bois. Ça claire la place, ça traverse l'autre bord, puis l'autre bord, c'est des terrains où est-ce qu'on a, on a pas accès pour la chasse carrément. C'est pas, pas facile de chasser Mais ici derrière. La, la, la pire affaire, la pire affaire à faire quand tu es un, un chasseur, là, ça c'est la pire affaire à faire. Puis euh, même que tu as vu des guerres qui ont été gagnées, des guerres qui ont été perdues, il faut toujours que tu adresses du respect à ton ennemi. Quand tu t'adresses à un adversaire qui a survécu à l'échelle planétaire, d'année en année, le chevreuil, là, deux semaines sans manger, il va survivre. Il oui. vit au Mexique, au Texas. Il y a des, des chevreuils en Floride, dans les Everglades. Il s'est adapté à toutes sortes de climats. À l'île d'Anticosti, il s'est adapté. Il mange du varech. Il mange des plantes qui arrivent par la mer. C'est un animal là, qui a un instinct incroyable. Puis moi, ce que j'aime d'un peu ce qu'on fait, tu sais, prends William Horik, le jeune tétraplégique. Oui. William Horek, il cadra prédic, on a chassé pendant quatre ans avant qu'on prélève les chevreuils. Prends l'histoire de Joël. Prends, euh, je... ouais, mes parents, mon père, le 19 février prochain, il va avoir 90 ans. Ça, c'est M. <laughs> Chevreuil. Gérard Terrien, c'est un guide dans le guide dans les bonnes années, là, dans le temps de Maurice Richard, tout ça. Puis les autres, ils ont beaucoup, ils ont observé beaucoup de chevreuils. Puis nous autres, qu'est-ce qui arrive? Prends exemple avec William Alain, là, il pourrait le confirmer. C'est dur, là. Il tire avec sa bouche. Là. Il y a comme un petit bâton de popsicle qui tire parce qu'il n'y a plus de bras il n'y a plus de jambes. Fait que des cheveux, là, Martin, on en a vu plein, là. On a vu plein, mais on ne les tirait pas parce qu'ils ne se présentaient pas où ils pouvaient placer son arbalète, sa ten-point, tu sais. Fait qu'on on, on a observé du beau comportement, c'est pas mal tout ce qui s'est passé. Oui, mais c'est payant, pareil, ouais. observer des beaux comportements... C'est très payant, tu sais. Puis quand tu fais des tournages de films, prends le gros, le gros cheval, j'ai prélevé, là, à Cana, comme Taouais. Il y avait quasiment 23 pouces de panache. Ah, chevré là dit, pour le film. Là, je ne suis pas sûr, je vais monter en la bonne t'sais. partie. On laisse rentrer, puis il y avait des. On ah, on, on, oh, c'est lui, là. Regarde comment il est large. Pis, regarde comment il est large. Pis, regarde, il est tombé parce qu'il y a des arbres. Long, non, là, tu mets est... des arbres tombés, tes obus ont passé. Ben, c'est tout qu'un bouchon. Tu chevel, vois que le, le, le profil du nez, là, tu sais, il y, y a des. On dirait qu'il y a des phénotypes. Par, par, par territoire, tu sais, le, le profil du nez est tellement différent de, de si on descend plus dans l'est ici, parce que là, tu es vraiment dans l'ouest, le profilage du nez est complètement différent au niveau génétique d'ici. C'est un fichu de beau box, ça. Oui, il est magnifique. c'est à ça? Oui, ça, c'est à Ouais. oui. L'année passée? Il... Oui, l'année passée, ça, en 2021. Puis ce chevrin-là, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant, puis ça, ça, je fais le parallèle avec William Harlin, c'était regarde l'arbre tombé en arrière. Tu sais, des fois, on oui. dit Ah, je vois qu'il passe là, mettons, tu es à l'arc ou à l'arbalète. Regarde des arbres de même, c'est des clôtures naturelles. Ah oui, oui, oui. Tu sais, des arbres, là, le chevreuil, il va passer au bout de ça. Fait, regarde en arrière de moi, là, il y a une lisière de conifères. Oui. Là, c'est une cache. C'est une passe naturelle. Que moi et Carl Poirier, on était allés installer. On avait trouvé ce spot-là. Écoute, ma foi, c'était le fils à Joël Cormier qui avait tiré le premier chevreuil là dans une teinte d'avoir 14 ans. Puis moi, je suis retourné genre 10 ans après. Là. Genre ben, peut-être 6-7 ans après. Puis, c'était pas ça tout le temps et c'était bon pour des bocs. Puis quand ils sortent là, là dans la lisière, là, dans la forêt de transition de conifères qu'il y a là, puis la, la forêt canifères. De canifères, là, sont là. Ben, C'est pour ça que j'aime ce ces là on voit vraiment en passe là. Fait qu'il y, y a des arbres tombés qui obligent les chevreuils à, à longer la lisière. Au moins, une facteur de stress, ils rentrent dans les conifères serrés. Puis là, ils sont corrects parce qu'il y a des loups dans ce coin-là, il y a des prédateurs. Mais quand ils rentrent, on les voit arriver au loin, puis là, il y a des lignes d'agrattage de que là, on voit accentuer, nous autres. T'sais. Allez, on va montrer, chaque, euh, montrer la cage de À chaque grattage, ça c'est justement sa grosse roche en haut, on, on l'appelle le site de la grosse roche. on s'est mis une tente après ça pour être quand, qu il, quand qu il mouille et on veut filmer. Mais un chevreuil -là, là puis ça je trouve ça vraiment c'est mon plus beau moment de chasse quand je vois ça. On le voit arriver, on sait que c'est lui, on sait qu'on va le prendre, mais pour les fins du film, on veut du comportemental, tu sais. Oui. Fait qu'il rentre dans les premier grattage, il met la tête à terre, il la regarde. Puis, c'est prouvé scientifiquement, une autre bonne raison de vouloir augmenter le ratio de gros bocs. C'est prouvé scientifiquement, avec moult recherches, que les, les sujets les plus âgés, là, quand ils rentrent dans un grattage, là, ils font tout le rituel. Tout le rituel, c'est gratter, uriner, saliver, préorbital, tartienne, tout à patente. Puis, les plus jeunes sujets, eux autres, comme un boc d'un ennemi, ils vont dans les grattages. Mais souvent ils vont gratter, ils vont uriner. Puis des fois ils grattent et ils urinent pas. Ils n'ont pas l'expérience sexuelle, ils n'ont pas cette dynamique là qui leur permet de devenir le prince de la forêt auprès des femelles, tu sais. fait que les bacs qui ont 3 4 ans, ils ont bien l'expérience, tu sais. ils ont bien l'expérience parce qu'au niveau des hormones, toutes ces glandes -là, là sont en explosion. Puis là le nez se raffine, ils savent où ce que sont les femelles où que, ils savent où, ce que, pour les, où les trouver. Fait que c'est les autres qui n'échappent le moins des femelles. C'est pour ça que dans un ratio équilibré qu'on souhaite là, quand on parle du RTLB, c'est des super chevreuils, ces bugs-là. Il faut les garder. Tu sais. Juste pour, pour répondre d'emblée, on a un petit 11 secondes de, de délai avec le direct. Euh, Luc Sirois qui dit Ce n'est pas en direct. On n'enregistre pas d'avance, Luc. Est vraiment, on est vraiment en direct. S'il y a des bugs ou qu'on se trompe, on est, on va, définitivement, on est en direct, Luc. Excuse-moi, je tenais à l'arrêter parce que quelqu'un disait qu'ils ne sont pas en direct, c'est du pré-TP. Non, on n'est pas pré-TP. On n'est pas pré-TP, je t'annonce pré que... que je vais manger une framboise. On n'est pas en direct. <laughs> il y en a un qui dit pour moi, Michel, il a faim. Il est tantôt, <laughs> il doit manger. Dans, dans, un, dans un site on va dire, mettons, dans, dans un secteur, si je comprends ce que tu me donnes comme notion, tu une femelle dominante qui est full, full route, qui, elle, entretient vraiment le, le, le voyage des mâles. Puis tu as toujours un gros mâle mature qui, lui, fait la routine complète. Donc, il entretient olfactivement ton site. Puis, il va inciter les autres mâles à laisser ces traces-là. Je comprends-tu bien? bah ben, c'est un, un peu le principe d'une communauté de chevreuils. Tu sais, dans le fond, tout le monde veut s'accoupler. Tout le monde veut oui. s'accoupler. Durant cette période-là, là, la priorité, c'est ça. La preuve, c'est qu'il y a une chute drastique de l'enveloppe corporelle du poids des chevreuils. Une chute de, des fois 15%, 20%. C'est d'une violence incroyable, le rut. Ils courent, ils ont le nez à terre. Ils vont étendre leur territoire d'une façon exponentielle. T'sais. Fait que tu peux avoir un boc dominant, une couple de subalternes juvéniles, des jeunes puis dans une communauté de chevaux normale. Je veux dire, quand le chasseur, il a fait ses devoirs. Puis ça, je parle nonobstant qu'il y ait des apôtres. Un principe de chasse de base où on trouve des chevreuils, où il y a des frottages, les chevreuils vivent là-dedans, on connaît le dortoir, on sait leur passe naturelle. Fait que, ils sont là puis ils n'ont pas d'intérêt à bouger de tant que ça. Fait que, oui, ça ressemble pas mal à ce que tu viens de décrire. Quand l'habitat est à propos puis quand la population de chevreuils est saine, si on essaie d'extrapoler ça dans le coin de Percé ou en Gaspésie où les ouvrages sont plus rigoureux ou dans des secteurs où la chasse n'est pas bonne, on non. va trouver ça, ben, on va trouver un spike un puis une coupe de petites aisettes. Tu n'auras pas qu'est-ce qu'on vient de définir. T'sais. Ton dominant, il y a quatre points là. Ouais, genre. Ça, c'est un peu triste. Là. Mais euh, qu'est-ce que je veux expliquer? C'est que la plupart des, des beaux boxe vrai que j'ai fait prélever sur des grattages et où que j'ai prélevé sur des grattages, il y en a, euh, je ne suis pas toujours devant le grattage. T'sais, le monde, il pense qu'on est embusqué devant le grattage. Pis souvent, quand je les trouve au printemps, les, les lignes de grattage. Trouver un grattage, j'aime ça. Surtout quand il y a une branche, là, ça m'interpelle. .gps, j'analyse la topographie. Là, après ça, qu'est-ce que je vais faire? On le faire chaque année. Euh, Marie-Auroy, un guide de l'équipe Chasse-Québec, lui, il s'est fou de ça. Là. Ce qu'on fait, c'est qu'avant la chasse, on imprime toute la météo. Tu sais. On imprime tout ce qui s'en vient pour la semaine. Gardez okay. en jaune, c'est tous les vents. La météo m'intéresse, mais qu'est-ce qui m'intéresse le plus, là? comme dans mm -hmm. ce cas-là? J'ai des vents sud, j'ai des vents ouest le lendemain. Après ça, il y a eu des vents sud-est le lendemain. Puis après ça, paf, nord-ouest. Ça a tout viré en quatre jours. fait qu'il y a des caches que si tu vas à la cache que tu as installée, mais toi, tu n'as rien qu'une tente, là, ben, il y a des matins qui n'ont pas bonne. Ben, c'est souvent, hein? est souvent ben, tu avec WindGuru. Euh, on utilise les WindGuru et etc. là-dessus parce que d'un fois, on arrive à des places où est-ce que les prime spots, c'est comme impossible d'y accéder sauf une journée ou deux dans la semaine. Puis ça nous prend cette information-là. Parce que sans le bon vent, je peux carrément pas rentrer dans ces secteurs-là. C'est ce qui s'était passé, d'ailleurs, la dernière fois. Bien, euh, Papineau Label, ça, ça a pris le bon vent pour rentrer là. là. Parce que si on. Puis on était installés deux jours à ne pas pouvoir rentrer dans ce secteur là On était sous gourou. On ouais. on savait. On Par savait que que, quel... Parle de ça, Martin, à n'importe quel expert. N'importe oui. quel expert. Puis, tu sais, les vents, le monde me dit comment tu fais à partir d'une feuille Mettons que tu as un vent qui, qui est nord-ouest. Dans le fond, quand tu vas voir ton, ton grattage ou ton site d'apport, là, tu vas, vas mettre ton indicateur de vent, tu vas shooter, tu vas regarder oui. comment est-ce qu'il le vent. ça, ça prend une boussole. Ta boussole, elle te dit ce qu'il est le nord. Tu n'as pas besoin d'être un expert en orientation. Tu vas prendre une boussole, non. tu vas sur le site, tu regardes ce qu'il est le site, là, tu, tu l'as ton vent, tu regardes comment est-ce est, -ce il là, tu dis aujourd'hui le vent est nord. Quand le vent est nord, si je me passe là, j'ai le vent dans le dos. Si, si le vent, je me passe là de bord, je n'ai pas le vent dans le dos. Les chevrais, ils arrivent de là, bingo, tu sais où te mettre. Fait que souvent, quand j'ai un secteur vedette, j'ai deux caches. Tu sais, euh, Mario Chou qui nous écoute, c'est un passionné de chevray. Il y a une place qu'on avait une grotte, on rentrait dans une grotte, il y avait des ours qui allaient hiberner là-dedans. Là. Puis on rentrait dans une grotte, on mettait des branches. Si on est là, il y avait au chevrail, aucun chevreuil ne pouvait nous voir, on était dans l'ombre. Mais, mais le vent poussait vers les autres. S'il y avait un vent, exemple sud-est. On fait un autre cache. Fait que là, on savait en fonction des vents. Si tu vas là un matin, il faut que tu ailles à ce cache-là. On le savait avant, avant même d'arriver. En arrivant, on vérifiait. Tu sais, on vérifiait avec, le, avec ça parce que des fois, le vent peut tourner un peu d'une coupe d'heures. Ah, en général, bien, les bien. indicateurs de météo, celui que tu as nommé, Winguru, c'est parfait ça. Ça, c'est oui. à jour, à l'heure près. Que, ben, si à, que tu sois à la chasse au chevreuil ou que tu sois à la pêche au doré, puis tu veux savoir est où ton poisson a pas dans le lac, puis vers où il s'en va, puis de quelle façon affronter ton lac, même quand tu as des plus petites embarcations, de manière sécuritaire pour savoir si tu vas être capable de sortir, et rentrer dans les baies majeures des grands des, des, euh, voyons, des, euh, des grands réservoirs. Wind Guru, c'est comme, c'est la patente. Là. C est, c est, c est, tu, peux, tu peux ouvrir Wind Guru le matin, faire hein, comme, on reste au camp. On reste au camp. Fis-toi là-dessus, hein, c'est aussi simple que ça. Euh, Michel, on a, je t'annonce qu'on a 50 minutes de fête sur les grattages. Euh, oui, oui. Est-ce que, est que ça te va si je te mène à ta prochaine section? oui, bingo. Parfait, c'est bon. Prochaine section, roulement de tambour, je vais la trouver deux petites secondes. On s'en va vers le langage du chevreuil. Euh, L'orignal, on le sait parce qu'on en a. On, on a si vous ne l'avez pas, tous les clés USB ou le CD de Michel qui nous permet de comprendre un peu comment rentrer dans le bois puis commencer à faire certaines vocalises, qu'est-ce que va répondre le mâle, etc. Le, le chevreuil, j'ai l'impression que c'est un peu moins. Ce n'est pas, pas un grand compris dans son langage. Hein? Les gens. Bon, ben, un mâle, ça grogne puis une femelle, ça blite. J'aime beaucoup ta phrase, c'est pas un grand compris. Parce que c'est juste ça. C'est juste un manque de connaissances, un manque d'éducation qui fait qu'on n'exploite pas ça à fond. T'sais, parce que des, des chevreuils, pour vrai, nous autres, dans, dans Laurentides où j'ai grandi, on les chasse pas. Là, on, a un, on a un laboratoire d'observation de chevreuil. Puis ça, ça colle tout le temps. Donc, ça fait des sons, ça fait des souffles, ça fait des tibellements, les bébés, tout ça. Là. Ça commence jeune, hein? des, des bébés chevrais, là quand ils veulent du lait, ça bêle jeune. Fait que ça fait partie de vocabulaire. La seule différence, c'est que c'est moins audible à l'oreille humaine qu'un ornial, tu sais, un gros bac qui rate puis qui descend en montagne. Tu sais, ça cause des branches, ça pète de quoi? Un ornial, ça pèse 900 livres, un chevreuil, quand ça fait 200, c'est un trophée. Par contre, moi, là, si tu me disais demain, je n'ai plus le droit de me servir de mes câbles. tu me dis demain, j'ai plus le droit de me sortir, de me servir de ça. Puis de, 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 J'en ai essayé plusieurs. Là. Je te dis Martin, j'étais suis en petite boule, puis je pleure à terre. À ce point-là. À ce point-là. Parce qu'avec ça, oui, ouais, écoute, surtout dans le rut, là, la, la, la petite calme, là. ça, si là, c'était pas ça, là. ça ne coûte à rien. Quelqu'un qui n'a pas ça dans son sac à dos ou dans sa veste, là, juste le petit bêtement de la les chevreuils sont tellement pour vrais, là. Le nombre de monde de guides anti de guides que je connais, le nombre de chevrés que j'ai fait sortir là, avec ça, juste en curiosité. Juste à curiosité. Bon, en curiosité. Et entendre ça, tu peux pas te tromper. Tu n'as vraiment pas besoin d'un doctorat en musique à l'Université de Montréal. Tu souffres, c'est fini. Là. That's it. quand là... Nicolas Vierge, quand il ronfle. <laughs> Pour ceux qui ont déjà été dans un camp avec Nicolas Tivierge, Nicolas Tivierge, quand il ronfle, fait exactement ce son-là quand il expire. Ça veut dire ah, qu'on ben me... l'endort dans le cache, on rentre au petit matin pendant qu'il ronfle encore puis on collecte quelque chose. Là. Mais c'est bon ça. Mais moi, Martin, ça, en termes de ronflement, là, je t'échangerais Nicolas Tivierge contre Kevin Léonard. Je te crée. <laughs> Parce que lui, Kevin Léonard, lui, à lui... <laughs> Il lui, lui, il attirerait plus de la machinerie lourde. T'sais. Il ah, attirerait okay. de la grosse machinerie lourde. c'est ça. Ben, ça. -là, que, mettre... revenons à... C'est une coupe de pièces, Michel. Ouais, c'est une coupe de pièces au euh... magasin, là. Ah, ça, tu peux pas avoir ça. Tu peux pas avoir ça. C'est une coupe de pièces au magasin. À, power, à magasins, là, tu peux la limite, Martin, écoute ça. Combien de fois, là, je le plus. Combien de fois je fais de la chasse fine, tu sais, faire de la chasse fine au chevreuil, c'est ça qui est le plus dur. Ça puis chasser le mouflon d'Adale en montagne. La hein. chasse fine au chevret, tu ne peux pas faire ça n'importe quand. Hein. Tu fais ça quand il y a une petite neige ou quand c'est mouillé. Puis souvent tu vas en haut de montagne, tu vois tu des caps de pruche, des caps de pin, des caps de chêne, puis là tu vas voir au loin tu fais un pas, tu arrêtes deux pas, tu es en hyper vigilance, hyper vigilance parce que tu veux voir avant qu'il te voit. Puis ça m'est arrivé à quelques occasions craquer une petite branche, sans faire exprès. C'est une, une branche que je ne vois pas, dans le fond. Les branches que tu vois, tu ne les feras pas craquer. C'est les branches qui, en dessous des feuilles qui ont tombé l'année d'avant, puis quand tu fais ton transfert de poids, la branche, elle va craquer sourdement ouais. en dessous des feuilles. Le ben, cheval, il entend. Pas plus que ça. Ben, là, le cheval, il l'entend. Mais là, j'étais à bon vent, puis je le sais qu'il a juste entendu ça. Puis je le sais qu'il ne m'a jamais vu. Là, il a parti. J'ai entendu, j'ai juste entendu... Je... J'entends courir. Que là, j'entends. Deux souffles. Pas plus que ça. Ouais. Là, je sais qu'il est arrêté. Là. Lui, dans le fond, il y a eu un effet de surprise. premier il était couché. Il a fait deux bons. Il a arrêté. Puis il regarde. Puis là, il sent. Parce qu'il veut, il ouais, veut attends, aller chercher un répondre. deuxième sens. Il va aller chercher un deuxième sens, Martin. Ce qu'il veut, il va essayer de voir l'ennemi, loup, coyote, ours ou chasseur, ou il va essayer de puffer le vent. T'sais. Mais là, s'il si y a juste la petite branche qui a craqué, là, il va faire « Ah, peut-être j'ai été trop anxieux, tu sais. » Puis tiens, cheval, c'est anxieux, Un Le cheval, tu rentres dans un cabinet de psychiatre, c'est sûr qu'il ça sortira C'est bon, c'est Fait qu'à ce moment-là, hein, moi, ce que je, que je fais, je me recule. Je sais que j'ai cassé la branche, là. Je me recule, je m'embusque, puis là, je vais bailler, Je resterai pas là toute la... Pour signer un bail, là. Je resterai pas là toute la journée. Mais je vais rester là assez longtemps... Faut y jouer dans la tête. Faut dire, hé, hey, regarde, moi, j'étais un autre chevreuil, J'étais une femelle, tu sais. Maintenant, c'est un boc. J'étais un autre chevreuil, moi. Fait que là, je vais bêler, bien embusqué, l'embusquer, pis là, au moins, lui, là, soit que je le sécurise ou soit que j'y joue dans la tête, puis il arrive curieusement. Il va faire une boucle, c'est normal, là, à cause qu'il va vouloir me pogner le vent. Mais combien de chevreuils j'ai tiré de même, là? Plein! Cowboy, je là, le que... cowboy, il guide, il a guidé en tout cas, c'est des années, là. Avec ça, là, on parle d'un trois chiffres, là, les chevreuils qui ont fait de prélever des clients. Oui, oui, oui. Oui. chiffres. D'un trois chiffres. Ça, tu serais fou de t'en passer. Ne ce que pour couvrir une gaffe, puis ne serait-ce que juste pour, à un moment donné, tu entends un petit craquement, le chevreuil, il semble t'éviter, il passera pas à toi, tu vas l'attirer sa curiosité. Ça, c'est sûr que ça te prend ça. Pis ça, c'est bon pour les, les chevreuils des deux les sexes. L'autre affaire, évidemment, ben parce que là, le temps passe, c'est les grandes cales. Mais tu sais, les grandes cales, il faut que tu joues avec pour trouver le, le, le meilleur, tu sais, comme. Ça donne dans la main, moi, à mon avis, euh, ceux en bois, là, ça reste, euh, c'est lui qui donne ça, c'est un, un gars québécois, plus qu'il est film. Regarde sur le bois, tu sais, euh, Total Recall, là, ça, ça, ça oui. c'est tous les grandes qui sortent de là T'as-tu peur, ça te fait-tu peur de caler, de, de faire, puis je l'ai eu en, en, en question aussi, là il y a, tu sais... Autant en bois que dans le plastique, il y a des cales qui sont assumés le même. Il y a vraiment des plus petits grunts. Quand tu es dans un secteur que tu ne connais pas, tu ne connais pas la teneur, on s'en va à la chasse, on rentre en pourvoirie, on a à peine les informations de, du monsieur de la pourvoirie, on rentre, on, a, on pense qu'il y a une coupe de, de, de 6 points, 8 points, de rentrer avec un gros grunt de même, ça te fait super, toi, tu y vas, tu y vas, il n'y a pas de problème. Moi, honnêtement, là, quand je décide de grunter, c'est parce que j'ai fait mes devoirs avant. Oui, c'est ça. pas à… Si j'ai fait mes que les... devoirs avant, puis je le sais, j'ai des, des chevrins qui, a, qui ont ça sur la tête, j'ai des bocs de main, oh, avec oui. des, des, des gros panaches, tu sais. Ces chevrins-là, ils vont rentrer sur le grunt, là. ils vont dire « C'est qui cet intrus-là? Là? » puis Ils vont réagir, tu sais. Puis, la, la, la... en utiliser un autre, il m'a donné un exemple, en un autre en plastique, t'sais. De titre. Moi, c'est une main que je colle Je colle jamais plus long que ça, puis je n'ai tellement attendu souvent des bocs là c'est jamais long. C'est juste des, des petits cales, des petites vocalises, une coupe de secondes, souvent une succession de deux, trois. Le boc, il le fait en marchant. Là, il arrive souvent à la tête à terre. Puis, c'est extrêmement efficace, sauf que, tu sais, même affaire, si tu, tu le fais dans un milieu ouvert si tu le fais à côté d'un tas de carottes, si tu le fais d'une une place avec une grosse pression de chasse, puis, si tu n'as pas d'effet de surprise, je vais t'en être, là, mon taux de succès au grand, il n'est pas élevé. Je n'ai pas un taux de succès en grande de 80 là. Mais j'ai un taux de succès, mettons, de 15 ou de 18 Ça m'attend sur 10, 12 séances de grande Il y a un bac qui arrive, 10 points, 8 points, 10 points. C'est quand même une technique qui est efficace en maudit, pareil. Puis pourquoi ça marche? À chaque fois que j'ai prélevé un bac de même, c'est que j'ai eu un effet de surprise. Je suis arrivé proche d'un bac qui était dans une routine. Il a attendu ça avant de me sentir, il a attendu ça avant de me voir. Lui, il attend de ça, puis son niveau, là, son niveau de croyance que j'étais un autre boc, là c'est 100%. Puis là, il rentre vite, là. là c'est une autre affaire. Quand je guide des clients et je fais du grand, c'est le gun dans les mains, c'est la main sur le grand de sécurité. Là, il ne rentre pas là, pour faire une photo. Là. Il rentre pas pour signer un bague le là. Il rentre à tête à terre, il cherche ah, Je te jure, il cherche là. Puis des fois, il arrive saccadé, pouf, pouf, pouf il arrive, il, il est au petit trou, il regarde. Il repart, il cherche l'autre là puis il s'en met pour se battre. Comme ça nous arrive sur le rattling. Quand tu es sur le rattling, c'est souvent ça. Même affaire. Même affaire. Je me rends compte que la question de tantôt est due à une chose c'est que, bon, il y a deux grandes réalités dans le chevreuil. Sur tes territoires, tu as le temps de voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a, de prospecter, etc. Là, j'ai du monde qui m'écrivent qui, entre autres en Ticosti, mais aussi à d'autres endroits, ils sont au bouquet. Ils ont cinq jours, ils n'ont pas accès à rien avant, ils arrivent là, ils se fient sur ce que le gars de la pourvoirie leur dit, puis ils n'ont pas, pas d'accès de prospection. C'était dans ce sens-là qu'était dirigée la question tantôt à faire. Quand tu es dans une. Puis la question va comme suit. arrive. Une... Juste à dire qu'Amel. La... Vas-y. Juste à dire qu'Amel arrive de moi parce que la le, le, <laughs> le corde en bois, là, parce que je ne veux pas le. Oui. Le cal en bois, c'est un œuvre d'art. Tu sais, ça, ça j'en ai prévu. Ben ouais, oui, oui. Je ne sais pas comment j'ai dit le nom, mais c'est Design Recall. C'est Charles Bois qui le fait. C'est un Québécois qui en fabrique. Puis, Mel a dit J'ai dit Total Recall. D'après moi, j'ai juste un film de Bruce Willis. Ouais, c'est ça. Il y en a un des commentaires qui dit Tu diras à mec que ça, c'est Arnold Schwarzenegger. Ce n'est pas le même pando. Les <laughs> <qu> en, <tout." rires> bon, euh, en, en bois, pas trop fort. La question, tantôt, on va se garder une zone de questions. Kate est en train de prendre en note les questions. et est dans la Régie, l'autre bord. là. qu'il y en a Régie ouais. Euh, en passant merci pour les beaux commentaires pour la chemise euh, c'est un cadeau de Michel Terrien et de Mélanie euh, fait que, Mike ça a l'air qu'il qu a une chemise parce qu'il y une copelle qui l'aime bien gros moi les renards t'es venu me chercher avec ça pour ceux qui le savent pas euh, je sais pas si je peux le descendre assez là, mais moi les, les renards c'est assez, assez symbolique là. Fait que, Mike est arrivé euh, bien pile là-dedans oui il s'est trouvé une belle chemise mais il en avait un autre sur un autre simple, puis je l'ai eu en cadeau dans un petit sac euh, de la part de mon ami Michel fait que un gros, gros merci. C'est de là que ça vient. Que si vous voulez savoir où aller où la chercher, demandez à Michel ou plutôt à Mélanie Puis vous allez le savoir. <laughs> c'est que ça. Que merci Mike, c'est bien aimé. Um, pour finir la question, la question est très, très, très précise. Quand les gars arrivent dans des secteurs où est-ce qu'ils n'ont pas accès à de l'information avant, est-ce qu'ils doivent y aller avec des petits grandes doux ou si tu n'aurais pas peur de rentrer avec un gros, grand gras de gros mâles? Moi, je dirais qu'un petit grogneau au début, pour vrai, dans un contexte de manque d'informations, parce que c'est moins compromettant. tu sais. C'est moins compromettant, puis s'il l'entend, je le serais vrai, il va quand même y réagir. L'autre affaire, il faut faire attention, c'est la même affaire au niveau des, de l'ornial. Tu sais. Même si je si fais des CD de call, j'ai quand même l'humilité de vous dire puis de, de vous faire comprendre que est-ce qu'il faut absolument être un grand virtuose du call de l'ornial? Tu sais. À partir du moment où tu es capable de. De, de mettre un trimolo, de faire une plainte, de faire éclater un col de boc, ça va marcher. Tu n'as pas besoin, il faut juste te mettre en confiance. Puis le grand, c'est pareil. Je ne pense pas qu'il y a des mauvais grands sur le marché. Je ne pense pas. Mais je sais qu'il y en a que le sont encore meilleures. Mais est-ce oui. qu'un boc bien craqué, full rut d'une bonne date de route, ça va avoir une incidence d'une une différence au final? Peut-être pas. Là où tu vas avoir un bon niveau de réalisme, de représentativité du langage du chevreuil, puis que ça peut faire une différence, c'est quand tu arrives sur une grosse pression de chasse, tu as des bottes plus méfiants. Bien là, c'est sûr que ça peut faire une différence. Si dans les jours précédents, il y a eu toutes sortes de sons qui ont été entendus, puis l'erreur que les chasseurs font, c'est qu'ils grognent comme si c'était de la chasse à l'orignal. tu sais, ça, c'est non, faire ça de même. Là. Faut bon, pas ça, là. ça, c'est non, là. Ça fait que si les chasseurs tout le tour de toi en avant de leur cache dans leur tas de carottes, ils ont passé la semaine à faire ça, c'est sûr que toi, même si t'es ninja dans une coulée avec des grattages, puis c'est tout bon ce que tu fais, mais ces bocs là tout le monde les a éduqué. Là. Ils sont crains ils sont, sont motivés, ils vont ben, Ils vont switcher. De, de, de dire à quel point, De dire à quel point, je veux juste renforcer ce que tu disais tantôt, quand on parle de est-ce que qu'on a besoin, besoin d'être un grand virtuose dans le corps. La plus belle histoire, moi, qui m'a été connue d'entendre, c'est Kate ici qui me l'a conté. Au moment où est-ce qu'elle s'en va au parc, pas loin de l'école, avec les enfants. Puis je ne me trompe pas, le petit, à ce moment-là, il, il a tout juste cinq ans. Puis il s'amuse parce que ses parents chassent. Fait qu'il est devant le bois de même, puis ici, il y en a de l'orignal. Il est devant le bois de même. Il ah! Ah! une femelle qui s'est sortie à la tête du bois puis qui est venue voir ce que c'était. Les orignaux aiment les orignaux, puis par curiosité, comme les chevreuils aiment les chevreuils par curiosité, je pense que on peut se dire qu'on répond en grande avec cette question là avec ce questionnement là que le problème est souvent dans l'exagération puis le manque de connaissance du niveau de compétitivité dans les secteurs. Parce qu'un secteur où est-ce qu'il y a trois chevreuils de te mettre à caler partout, c'est pas ça se peut pas ça ça marche pas là. Ça ne fonctionne pas. Mais l'exagération est la réponse à bien des choses, c'est comme les gars qui vident cinq gallons d'urine sur le bord de l'épinette. L'exagération, c'est jamais bon. C'est aussi bien de te retenir que de... Fais, fais pas de calme, rendu là. T'es-tu d'accord avec moi? Bon, je suis d'accord avec toi, c'est sûr. Les extrêmes, c'est pas quelque chose qui passe bien. Tu sais, comme cet enfant-là, c'est sûr, si tu, sur une carrière de guide de 75 ans, avec la même calme, de temps en temps, il faudrait qu'elle aille au IGA pour acheter de la viande. Là, parce que, tu sais, <laughs> ça, peut, ça peut marcher une fois de temps en temps, mais tu sais, ça marchera pas tout le temps. Là. Non, non. L'important, l'élément le plus important, là. il y en a un élément... Il faut que tu causes ce qu'il y a un boc. T'sais, je dis quand même, si t'es bon, tu chasses chasse tu chasses le chevreuil, si t'es bon. Mais dans, dans l'endroit où tu chasses l'équivalent de, mettons, quatre terrains de football, s'il n'a pas un boc chevreuil là-dedans, caché, un busquet, qu'il ne l'entend pas, ton crâne. Grand... Je parle à personne. Tu ça, tu vas te lâcher à la patte. Fait, fait, fait que le, le, le point que moi, je veux dire par rapport à la chasse, et moi, j'ai été chanceux parce que quand j'étais petit cul, mon grand-père, Joseph, là, il m'avait dit une affaire à tout dessus. c'est bon dans plein d'affaires de la vie en plus. Fait que si tu retiens ça et tu appliques ça dans plein de sphères de ta vie, tu vas sûrement être quelqu'un qui va se démarquer. Mon grand-père m'avait dit, écoute, le jeune, je sais que tu aimes ça à la chasse, je sais que aimes ça guider et tout ça. Mais le principe à la chasse, c'est comme dans bien des affaires. Si tu as quatre heures pour abattre un arbre, là, passe trois heures pour affûter ta hache. Ben, la chasse c'est en même affaire. Les gars qui prélèvent avec régularité, là, ils font tout leur devoir pour vrai. Pendant Respection. que je te parle... Ben oui, ils m'envoient des cartes, analyse des cartes, regarde, Michel, nous autres, on s'en va à la chasse telle date, telle date, on va aller voir la zone. Ils sont déjà tout organisés. Ils ont un calendrier de trackers. Ils ont une vie de prédateurs. Ils sont déjà dans leur saison 2022. Ils savent déjà ce qu'ils vont faire. Ils savent comment ils vont le faire. Puis, il n'y a pas de barrière entre les étapes d'aujourd'hui jusqu'à quand la chasse va ouvrir. Puis le chevreuil, c'est pareil. T'sais. Le chevreuil, Martin, c'est la même affaire. Si, à un moment donné, tu es capable de te dire Je sais ce qui couche, je sais ce qui frotte, je sais où qu'ils font des grattages, je sais où qui mangent, puis je sais que quand il y a un danger, ils s'en vont par là. Ben, là, là, tu commences, tu commences à comprendre la synergie, puis là, tu sais où te poster, puis là, tu peux causer un effet de surprise. Mais si tu penses que tu es un chasseur parce que tu un condo, puis tu as un trailer rempli de carottes, puis tu vas déposer ça au bout d'un chemin de terre, bon, non, t'es pas, es pas là. là. Tu sais, moi, dans ma tête, là, ce n'est pas ça ma définition d'un traqueur, d'un homme des bois, d'un raffiné, d'un stratégique, de quelqu'un qui aime assez la bête parce qu'il faut les aimer, les chevreuils, pour comprendre ça. Donc, si tu les aimes, tu vas vouloir comprendre bien plus. Et là, à ce moment-là, tu vas te démarquer. Mais tu ne peux pas, tu sais, c'est Nick Rosby, il a compté des buts que d'autres joueurs ne sont pas capables de compter. Il a fait des choses avec ses mains. Puis Crosby, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quand il est venu là, à Mont-Tremblant, il m'a dit qu'il était sur la glace à Mont-Tremblant par hasard, puis il y a un petit cul de ma région des Laurentides qui s'est retrouvé sur la glace en même temps que lui. Puis Crosby, il a demandé de l'aider pour faire des passes arrière à la veuglette, puis il dit c'est une patinoire qui n'est pas une aréna, il faut que je sois faire une passe arrière en écoutant ton son de patin. Là, le jeune, il dit il a pratiqué ça pendant des heures de temps. Personne ne fait ça. Mais ben, Il pratique des affaires, comme moi, à un moment donné, je tirais de la gauche, Martin, tu sais, je suis un droitier. mais Maintenant, j'ai tiré quelques balles oui. de la gauche. Comprendre, c'est quoi tirer de la gauche? Comment je groupe de la gauche? Ouais, l'expérience tu sais. de... Ben, je me suis dit, ça me servira peut-être jamais, mais ça m'a servi. Il y a un jour, maintenant je suis arrivé dans une situation, Puis la seule façon que le chevreuil est sorti, il fallait que je prenne l'arme de la gauche. Mon cerveau, il avait déjà compris comment faire ça. Oui. Mais ben, ben, écoute, moi, j'ai ben, fait, euh, fait beaucoup de... J'ai fait de la compétition de six ah, coups du close combat, quand tu fais de la compétition de close combat, on tire avec un AR-15, puis avec un 9mm on va, je donne un exemple d'un exercice, puis c'est des exercices qu'ils font pour les, 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 les forces, les gars qui vont vraiment sauver nos vies en avant hein, des vrais, hein. ils vont courir sur un mais courir full pin là ils arrivent face à une cible qui est à l'autre bout, puis il faut que il y, y a des, pas, pas des tranchées mais euh, il ouais, y a des panneaux face au premier panneau, faut que tu fasses deux balles, œil fort, deux balles, œil faible. Après ça, c'est en pleine face à terre, deux balles par la meurtrière, œil fort, deux balles, œil faible, Puis toutes tes balles comptent au bout de la ligne, tes atteintes à la cible. Les gars pratiquent des deux côtés tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il y a que à la chasse qu'on fait pas ça, parce que tu prends du CQB, PSC, etc. Dans toutes ces compétitions, ces disciplines de tir-là, mais CQB, c'est carrément l'entraînement qui est utilisé pour aller au front. C'est-à-dire que si pour sauver ta vie, tu as besoin de tirer de l'autre œil, il faut que tu l'aies expérimenté avant. C'est comme faire du jogging à de ton quartier avant d'aller faire un marathon. Mike, ce que tu as fait, c'est. Je veux dire, je pense que tu, tu, me, tu me le dis, puis je fais comme. Moi, le premier, je me sens un peu imbécile parce que je l'ai fait en CQB à côté d'un barure, puis je n'ai jamais pris une arme de chasse pour tirer de la gauche. Et je suis un droitier. Que, je veux dire, c'est définitivement une expérience que je vais tenter comme. Très rapidement. Juste un autre petit point parce qu'il y a des questions tantôt aussi beaucoup là-dessus. Là, Michel parle de prospection. Là, là, là la CEPAC a appelé pas mal de tout le monde. Tout le monde sait à peu près où est-ce qu'ils vont chasser cette année. Là. Euh, track Map, Forêt Ouverte, Google Earth, Google Map. Vous avez des outils là, gratuits et d'autres payants sur lesquels vous pouvez vraiment avoir plus de, de détails sur la topographie de l'endroit. Vous le savez où est-ce que vous allez. Là. Présentement, là, il y a de la neige. On ne peut pas y aller plus que ça, à moins d'aller apporter des, des salines dans des chaudières pour les récupérer plus tard parce que c'est plus facile parce qu'il y a de la neige. Là. À part de ça, vous ne pouvez rien faire. Là. Vous savez où est-ce que vous allez. C'est le temps d'appeler euh, Géomatique, un tel, etc. Puis commander vos cartes pour regarder de quoi ça a l'air. Pas arrivé là, faire comme, oh, c'est pas ce que je pensais, puis rien savoir de l'endroit. Vous le savez, la CEPA que vous avez appelé si vous avez gagné. Sinon, vous avez appelé pour réserver. Les gars en Ça savent pas mal tout où est-ce qu'ils vont, surtout dans l'orignal, parce que c'est dur à trouver. Allez chercher vos cartes puis commencez ça là. là. C'est aussi simple que ça. Le blit, Michel, je vais revenir au blit, parce qu'on a parlé quand même pas mal du grunt. Euh, avais vraiment le, le callback expert avec la, la petite languette. Il y en a qui disent qu'ils faisait ça avec du cèdre puis un élastique de brocoli. Euh, Qu'est-ce que tu penses de la petite canne de blit? Ça aussi, c'est bon pour la curiosité. Moi, j'ai Personnellement, j'ai eu plus de succès avec, euh, avec la peau de plastique puis le sais, Mais c'est un outil à avoir dans son arsenal pareil. J'ai eu du succès à un moment donné quand c'était des longues distances. Je me souviens, euh, notamment, quand ça est arrivé, je, sais, je suis Vrai dans il y avait une ligne électrique, puis je, je voulais le faire élever à la tête, puis je gruntais, je ne pas. Le bleed, les décibels sont un peu plus élevés. Oui. Mais moi, personnellement, je l'utilise, mais ce n'est pas mon choix numéro un. Tu sais, dans le fond, euh, je, surtout quand je vois des frottages, tu sais, tu sais, dans le fond, ça revient, on revient tout le temps à la même affaire. Si tu as travaillé, tu as fait tes devoirs, tu as trouvé plein de frottages, des arbres complètement dégarnis. Tu sais que tu as un bac qui est territorial. Tu sais qu'il va faire preuve d'une certaine forme d'agressivité. Lui, il va rentrer, c'est un, un grunt, un Il va rentrer face à un grunt, tu sais. Fait que, euh, moi, honnêtement, je l'utilise, je l'ai dans mon sac, donc j'y crois. Mais j'ai eu plus de succès, personnellement, avec, avec euh, ceux que je vous ai enseignés. Tu sais. Excuse-moi, je fouille dans tes photos en même temps. Hein? Oui. Bon, dans, dans, quel, dans, dans quel contexte le Chevreuil se met à genoux comme ça, hein? ben, Il ne se met pas à genoux, il se lève. Il est pour se lever le Ok, il est en train est de se lever. Il est en train de se lever. Ouais. OK, OK. Ça, c'est-tu le même, non? Non. Là, ça, c'est celui qui tellement. Il de faire de la belle photographie animalière. Non, c'est un autre bac. En passant, je veux juste pour les gens qui. Il y a plusieurs gens qui vont à l'île d'Anticosti, tu sais. Oui. Puis quand tu arrives à l'île d'Anticosti, juste à côté de l'auberge, des fois, il y a un délai entre le moment où tu vas partir vers ton site, mais ils font passer par l'auberge, tu sais, pour les papiers oui. et tout. Coller sur l'auberge, juste les bois. Le bois adjacent qu'il y a là, là dans, tout petit, là, ça pelule de Boc Chevril. Quelqu'un qui, qui va là, à part la classique photo de ta photographie le chevreuil sur le bord de l'auberge, rentre dans le bois. C'est plein de grattage, c'est plein de frottage. Et là, tu es où il se courent après. C'est des petits laboratoires là, qui vont être plus payants d'aller passer une heure là que de rester dans l'auberge à envoyer des textos. Tu sais. Juste à côté, euh, c'est -ce Baie-Sainte-Catherine, si je ne me trompe pas, la première, là, là où est-ce qu'il reste une maison debout. Euh, ouais. C'est des fourrés. Baie-Sainte-Claire ou Baie-Sainte-Catherine. Baie-Sainte-Claire, c'est un arbre. Ah, ah, c'est de des belles places. tu sais. Des... Oui. C'est une, une place que tu n'as pas le droit de chasser, puis les euh, couchers de soleil là-bas avec euh, 10-12 panaches couchés dans l'herbe, hein, c'est génial. Hey Michel, euh, celle-là un pas pire en tabarouette. Là, là, là je vous invite à regarder la posture de Michel en même temps, puis vous imaginez de la barbe, là, puis je vous remets, là, je, vous, je vous renlève ça pour... Euh, c'est rip, c'est rip, ah, c'est clair. Es c'est n'importe quoi, tu n'importe <laughs> c'est lui. La photo est débile. Pour vrai celle-là, ça, c'est vraiment une photo que ça prend imprimée sur Canva, en quelque part, sur un mur. Il y a une CEPAC qui va récupérer ça. Il y a quelqu'un qui va te la demander, c'est sûr et certain, Mike. Si Bronling ne met pas ça euh, c est c est bien bien, sur un catalogue, ils sont à côté de la gauche. On va dire ça c'est le même. Peux tu à je peux-tu passer pour le prochain sujet, moi? ouais, tu fais ce que tu veux. En ligne, moi, c'est tout, tout mon guide. Parce qu'il faut se garder un petit peu de, de, de temps pour répondre aux questions en Rafale à la fin. Ouais, fra... J'ai quasiment fini <laughs> mon concept de framboise. J'ai quasiment fini mon corso de framboise. Ah, pas grave, tombe dans les pinotes après. Ça fait super bien, il n'y a pas de problème. Le rattling. Ça, c'est quelque chose d'autre qui est pas très. Ben, je, vais, je vais dire comme tantôt. C'est pas. Euh... Ah, ça, c'est la liste de questions. Parfait. Je viens de recevoir une liste de questions. Merci. Je peux juste demander quelque chose d'autre tant que ça? Je, je peux sûr avoir du café, s'il vous plaît? Ça serait super gentil. Hein? Régie? R Régie. Non, non les petits mots d'amour sont-ils encore là? Mon amour, s'il te plaît, est-ce que je pourrais avoir une tasse de café? Ah, Qu'est-ce que je me on gardée gardée la thématique valentin hein? Écoute, avec des, des hommes euh, ou des hommes de bois comme vous, il faut quand même vous le dire. On, a, ça, on ça. est et bien, tout cas. <laughs> Écoute, attends une minute, moi. C'est parce que pour te faire un run avec t'es rien à l'écran, ça me prend du café. Amène ah, du café. <laughs> euh, bon, c'est bon. Oui, je m'en allais sur. Euh, on sent, le, 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 le rattling, c'est quelque ça, chose qui est, est mal interprété, ça aussi. C'est probablement quand la saison de chevreuil ouvre, nous autres, le plus gros, la plus grosse quantité de questions qu'on reçoit par courriel et partout. Là. Ils veulent savoir combien de temps, à quelle fréquence. C'est des séquences de combien de temps, à combien d'intervalles. Le matin, et le soir, le midi, la tête en bas, les pieds dans les airs avec l'urine de chat qui a euh, un soir de pleine lune bleue. Euh, c'est. Les gens, c'est mystifié le rattling. C'est comme. J'ai beaucoup, beaucoup de monde en entour de moi, des amis très proches, qui sont des chasseurs, qui vont quand même chercher des chevreuils régulièrement. font comme. À toutes les fois, là, Ça souffle, là. Ça... Je touche pas à ça, touche pas à ça le rattling, ça fait peut... ça. C'est mal connu. C'est mal connu, c'est mal appliqué parce qu'on n'a pas l'information. Ça se passe comment? Pourquoi? Pourquoi deux bocs, puis dans quelles conditions deux bocs se battent? Comment je fais pour répliquer ça? Ah, ça, c'est bon. Ça nous amène dans le vif du sujet. On va lâcher nos conseils de, de vestimentaire. Hein. On va retourner dans le chevet, Martin. Puis, je le taquine, là. le taquine, Martin. Le, le Rattling, là. Le Rattling, Martin, tout, toutes les fois que ça a fonctionné, ça va répondre pas mal dans l'ensemble à, à tes questions. Toutes les fois que ça a fonctionné, dont notamment le dernier box que je te parle, là. Oui. Où on on s'était embusqué. Il y avait un gars sur le Rattling, puis il y avait des embusqueurs. Ils ont fait bien des recherches sur le rattling, notamment sans, sans tuer les chevreuils. Ils ont mis un gars, mettons, dans une cache au sol, puis ils ont mis un gars qui faisait du rattling en retrait. Ils ont fait bien des combinaisons, un gars tout seul, un gars en équipe, puis c'était prouvé que si tu as un intercepteur ou si tu as un gars en retrait de là où tu fais ton rattling, la probabilité d'avoir un bac apparaître est plus élevée. Toutes les guides anti-costi, à partir du mois de novembre, ils font du rattling. En partant, les dates sont bien conséquentes, elles sont bien importantes parce qu'il faut à un moment donné qu'il y ait une fièvre de route oui. pour qu'il y ait des combats. Il faut que ça soit ici, si tu fais du rattling en début de saison, au mois d'octobre, tu n'es pas dedans. Hein. Mais non. si tu arrives à. Moi, j'aime bien. Moi, mon, 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 ma journée vedette où je trouve que ces caméras. Les odeurs de glande. Les odeurs de glande, un chevreuil mort, tu sens sa glande tertienne. Oui. Tu ne peux pas avoir plus scientifique en que ça. Mais ça, ça me parle. Moi. Puis en général, 8, 9, 9 novembre, puis les dates qui suivent, là, quand tu arrives, moi, le jour du souvenir, là, le jour du souvenir, euh, c'est une journée qui est importante pour moi parce qu'il y avait des militaires dans ma famille. Le jour du souvenir, j'ai ça dans les mains, je te le dis tout de suite. J'ai tout le temps ça dans les mains. Mais j'ai jamais ça dans les mains. Ça va peut-être répondre aux questions du monde qui se font souffler. J'ai jamais ça dans les mains à côté d'un condo, là. J'ai jamais ça dans les mains à côté d'un bout de chemin. J'ai jamais ça dans les mains à côté d'un tas de carottes. Je ne fais pas du rattling devant un tas de carottes. Je fais jamais ça. Je fais du rattling dans le bois. Où, vous savez que j'ai des indices de présence de gros bocs, Puis j'ai pas fait de passe la veille. J'ai pas Je J'ai pas fait le chien. J'ai pas. pas fait de battu. J'ai trouvé. Sais tu sais à quoi ça me fait penser Martin, un gros boc chevreuil, la façon dont je le traque. Vas-y quand je fais du ratling, ça me fait penser à une grosse truite mouchetée, une grosse palette que je pogne à ligne morte. Tu sais, Je trouve une fosse, je la vois sur sonore, c'est un lac de truites de 2 livres, mais là, il y a une truite de 5 livres là, en avant d'une entrée de ruisseau. Là. Et là, je le sais qu'en pêchant en traîne, je ne l'ai pas activé. Je vais mettre l'encre, je vais casser loin, je vais laisser descendre un puis à un moment donné, elle va s'intéresser tranquillement. Elle va partir tranquillement à travers. Tu vas penser que c'est une petite truite à faire à payer 5 livres. Mais, Mais voilà. des gros boxe chevrés, là, sur le rattling, là, je les ai toutes pognées, toute la gang. Il n'y a pas un, là, que je suis arrivé à une trail tapée de quatre roues, puis là, je suis arrivé au bout de la trail, puis il y avait une cage d'un arbre. Non, je les ai toutes. C'est des conditions. C'est sûr. C'est ça qui fait que c'est dur. C'est ça qui fait que c'est dur. Tu peux pas C'est ça qui fait que c'est une hein. minorité de bons chasseurs qui prélèvent des boxe chevrés. De rattling. Puis, ils en ont prélevé un. Ce que je remarque, là, c'est pas compliqué. À partir du moment où tu prélèves un chevreuil sur le rattling, cette technique-là, tu la répètes. Tu la fine, tu l'apprivoises, puis tu fait aux bonnes places. Ça fait que si oui. tu sais d'avance, tu sens où tes dortoir, tu sais ce que le gros bas qui peut se coucher, hum, tes chances de l'attirer, parce que ça, ça se rend loin, là, un combat de chevreuil. Tes chances de l'attirer. Sont, sûrs, sont, sont, sont en, dit... en termes de décibels, en termes de décibels, c est, c est, c est... il y a des appels qui rentrent sur, sur Facebook. C'est Kate Nadeau-Mercier. Kate Nadeau-Mercier qui appelle sur Facebook pendant « Je t'enlève », ça va bien en tabarouette. Elle écrit erreur. Oui, grossière erreur. <laughs> euh, C'est arrivé à quelques reprises. Moi, j'ai vu des beaux spectacles sur le rattling. Pour vrai, tu sais, quand on, on, on attribue souvent le côté, le côté fougueux puis le côté confrontation, au bas corignal, quand il rentre, pis ici, il y a l'œil de travers. Pis, et... Mais tu voulais qu'on arrête de parler de mode, toi? Chewbacca. Ah, tu... Tu, tu me donnes des choses. De L'icône de masculinité sort le poil en pleine TV. Chewbacca. C'est révélateur, ouais, non? Mais là, je ne sors pas le poil, j'ai un t-shirt. Je ne suis pas, pas oh, tortillé, ouais, mais je suis pas cette tribu, c'est comme le chef de meute d'une meute de loup, c'est Michel Terrien. C'est correct, c'est ça. T'es notre icône de, de, de testostérone dans le chat. C'est masculinité, c'est toi. C'est ça que je te dis. Je te dis qu'une barbe, c'est rip. c'est réglé. Là, les filles disent tout oui. C'est le même. Un tablon, on est d'accord. Nous autres, oui, on, ma, a, blonde, on a... préfère, ma blonde, elle préfère qui ici. Ah, oh, qui est, ben est, oui. Est, elle l'aimerait comme garde du corps, mais qui est ici, peut-être plus un 5 à 7. Ben, il, est plus raffiné. Même... il est plus raffiné un peu, c'est sûr et certain. Mais j'ai vu, moi. Vas-y. Chewbacca, là, je, je l'aime parce que quand j'étais au Cégep, il y avait eu un gros... J'avais organisé un gros party d'Halloween. Je faisais partie du, du comité étudiant. j'avais acheté un costume de Chewbacca, tu sais. Puis euh, c'était drôle parce qu'on avait une petite anecdote. Ça ne durera pas longtemps. On va revenir au chevrer. On, ça, ça. on avait un professeur en sciences politiques qui nous avait avertis au début de l'année que si on était assez en arrière de parler fort, parce que ne voyait pas, pas de loin. Il ne pouvaient pas voir les usines dans le fond de la classe. Nous autres, on avait de la misère à croire ça. Fait que cette journée-là, je suis arrivé habillé en Chewbacca, tout le cours au complet, avec mes grosses, mes grosses mains de poil, mon gros casque. Tout le monde riait dans la classe. Monsieur Huat qui s'appelait. Puis à un moment donné, euh, il ne comprenait pas pourquoi le monde riait. Puis quand il s'est approché de moi, il m'a vu habillé en singe, tu sais. <laughs> il m'a donné deux, trois claques sur le casque, un <laughs> Tu as fait... été rebaptisé c'est plus Chewbacca. Tu viens d'être rebaptisé par Eric Fogg. Maintenant, tu t'appelles Chew Michael. Donc <rire> euh... <rire> <Puis> là, les <laughs> filles sont tous ça, fait... ça fait du, du minage les comptes de masculinité, ouais. là, les filles en parlent présentement. Là. Moi, ce que j'allais dire, c'est que <laughs> j'ai été surpris. La première fois que j'ai vu un chevreuil rentrer sur le rattling, c'est un guide qui faisait du rattling, pour moi. J'avais 18 ans. C'est un guide, qui faisait du ratling, avec un petit, petit panache. Un, un petit, tu sais, des, des, des spikes, des six-pointes, là. Et tout, 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 tout. Le chevreuil est rentré, là. C'était un huit-pointe, mais avec des gros merins là. Des petits, on dit-tu des Saint-Joseph ou des Saint-Michel, je, je, en, en tout cas. Des Saint-Michel. Saint oui, là, je suis Encore que... Michel! Hum. <laughs> on s'en sortira en pas. <laughs> pas. Ouais. Et, je te jure, là, il déracinait des petits sapins. Il était à terre, puis il frottait avec son panache de même. Puis il y avait des petits Saint-Michel là même qui foutaient le camp. Là. Moi, j'étais comme. Puis là, il disait Tire, tire. Moi, j'étais assis, je regardais ça aller, je dis C'est donc ben, hot. Oh. Il est passé, j'ai tiré 10 points, qui est rentré après, j'étais super content. Le guide, il est en sacrement après moi parce qu'il était un gros. Moi, je le regardais aller, je don C'est donc ben, malade. C'est capable d'être en confrontation en tabarouette. Puis ce qu'il dit dans les commentaires, pour ceux qui ont déjà entendu, surtout dans une forêt mature, deux bocs qui se rencontrent, puis qui rentrent, puis qui brassent les panaches, là, ça fait du bruit en ça, tabarouette. Ouais. Là, ça ouais. porte loin. Fait que Oui, ouais. d'un fois, le petit mollo, ça va pour commencer à intéresser, mais quand on est dans le gros pic du rut, tu sais, quand tu rentres dans le bois, puis ça sent la testostérone de chevreuil, ça sent le cuir, là, mm. là, on rentre. Non? J ai, j ai, moi, j'ai ouais, pas peur. Là. Non. Moi, Martin, je te dirais, là, mes séances de rattling, habituellement, c'est des séquences où je me déplace. Je me fais un trajet. La fin de trajet, j'essaye de tout à bon vent. Je vais... Souvent, j'exploite des tops de montagne. Je vais prendre des tops de montagne. Je vais marcher. Là. Je vais essayer de couvrir des tranches de 45-50 minutes à des endroits que mon rating antérieur ne couvrait pas. Toujours à bon oui. vent. Puis, honnêtement, là, tout ce qui ressort des recherches, de la science, de tout ce qui a été fait comme étude, de la discrétion, j'y crois plus au mois d'octobre. Peut-être les premières journées de novembre, mais quand tu rentres dans le rut là, oh tu, oui, pars, oui. tu rentres, rentres là-dedans. Hein. Tu rentres dedans. Tu rentres dedans, puis tu cognes une base de de même ici. Oh puis oh tu oui. déloges le sol. Tu, sais, tu déloges le sol, tu pousses les feuilles. Ça, honnêtement, c'est comme ça que je les ai prélevés. La, la plupart de mes gros box sur le rattling. Puis une fois que j'ai fini, là, je te le dis parce que je me suis fait faire une vite à un moment donné. Là, euh, quand ils ont la réserve où je Matawan, à l'époque, c'était les premières années qu'ils s'ouvraient à ce coin-là. Il y avait des King Kong de chevreuil, des monstres de chevreuil. Puis, il y a une séquence que j'ai gardé ma carabine sous mes jambes. Elle était pas loin, elle était, était sur mon corps. Puis, le chevreuil, il rentrait vite. Il a grunté, il rentrait vite. Il, il me regardait de deux sapins, il m'a vu, puis il est parti. J'avais une shot, là, je l'avais eu ma... déjà. J'ai perdu peut-être trois secondes, mais c'est ça qui fait qu'il est en vie aujourd'hui. Dorénavant, quand je fais du rattling, dorénavant, j'ai mon arme dans les mains. Je descends l'ouverture de mon télescope, mettons que c'est sale, là. je vais descendre ça à 4. Parce que je veux le trouver tout de suite. Là. Il n'arrivera ouais, oui. pas à faisant des pauses. Là. Il va arriver vite, ah, il va chercher, puis il peut partir au petit trou. Fait que souvent, même j'ai le grand proche, je vais le voir arriver, je garde le grand ou je vais faire Wow! Là, il je arrête de la, 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 la. J'y en, 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 envoie la sauce. C'est une Écoute. chasse que j'adore, j'adore ça, Martin, parce que qu'est-ce que tu as raconté que tu as vécu? Moi aussi, je l'ai vécu. J'ai vu des bacs rentrer sur le rankling, là, je les ai tirés genre comme un gros bac cornal. Ils ont ouais, rentré sur le top de la montagne Souvent, moi, ils s'en venaient à fou. Ils disent Voyons-là, ils vont me rentrer dedans, tu sais, gros coffret, puis la manière arrêtée, pour vivre. Mais ce que ça, tu disais au sol, ce que tu disais au sol, c'est quelque chose qui est peu utilisé, puis les gens n'osent pas le faire. Quand on as en, en, en Alberta euh, l'année passée, il y a un chevreuil qu'on a vu. Euh, puis Kate est à l'écoute présentement. Kate, ça va peut-être te dire de quoi, un petit peu plus, euh, le où est arrivé le chevreuil. Si vous vous souvenez, Gang qui était avec moi en Alberta, la veille, Armand, qui était notre guide, me demandait Qu'est-ce que je faisais à planter mes deux panaches au sol puis à garocher des feuilles par en arrière? Il dit Qu'est-ce que tu fais là? Mais je, je suis en train de piquer la curiosité. Je suis en train de. Je me déplace, je suis en train de brasser des feuilles tout près d'un gratté, hein, d'un gratté de l'année antérieure. Il y a une nouvelle ligne de gratté qui commençait à se créer un petit peu plus loin. Je, on va créer de la. Et puis Kate et Nicolas étaient assis dans cet arbre-là, puis ils ont refusé un huit points qui est rentré directement là-dessus, qui est un, un beau huit points pour le Québec, mais qui n'était pas suffisamment gros pour l'Alberta, est rentré directement là-dedans, alors que nos journées étaient à 5 et 10 degrés Celsius, donc il n'y avait pas de mouvement partout dans le chevreuil à ce moment-là. Là. Donc, de planter là, les comptes vraiment au sol, puis de brasser de la feuille, là, dans des secteurs où est-ce que c'est moindrement achalandé, puis qu'il y a moindrement de compétition, là, ça sort là, si, par des journées c'est toi qui avais une photo de ça, d'ailleurs, Michel. Surtout par des journées froides, là, tu vois, ton œil va être attiré par les deux streams de boucan qui sortent du nez du chevreuil et qui s'en viennent sur toi. C'est agressif, là. c'est hallucinant. Tu observes des beaux comportements. C'est toi qui avais cette photo, là Michel, je pensais. Hein? Ah, le Michel Québec. Moi, je te ouais. dirais, Martin, dans le fond, c'est quoi que tu fais, là? Ce que tu fais, c'est que tu émites un chevreuil qui fait un grattage. Moi, j'ai un ouais. un très bon guide. Lui, là, c'est juste ça qu'il fait. Il marche avec des clients. Puis il gratte le sol. Pareil comme un chevreuil qui gratte. Pareil comme un boc. Il gratte, il gratte, il gratte. Puis là, il fait ça avec vigueur. Parce que ça se fait quand même avec une certaine vigueur, déloger le sol. Oui. Il se rend sur la terre noire, les bocs. Il envoie ça, puis il, il, il soigne ça par en arrière. Puis là, des gros motons de feuilles. Puis là, il s'en Il va rester là 45 minutes. Il fait un parcours de chasse. Puis lui, à chaque année, ce guide-là, là, il a du succès. Oui, C'est sa façon de faire. Fait que, tu sais. C'est ça qu'il faut dire, c'est ça qu'il faut expliquer, Martin. C'est que la posologie de tes interventions, il faut qu'elle file dans le temps, à l'endroit où on est en fonction de la contamination mentale que le bug va avoir à cause du rythme. Tu sais. fait que si tu essaies ça dans des mauvaises dates, avec un mauvais ratio de bac, avec aucun gros bac pendant des années, tu vas me dire Ah, moi, le rating, je ne crois pas à ça. Mais non! Tu peux pas répondre, tu crois pas à ça. Il faut, faut comprendre que si tu arrives dans, une, dans un secteur où il y a moindrement de la compétition, tu pognes ta botte, tu brasses la terre noire, il y a un chevreuil qui va venir voir parce qu'il y a de la terre noire qui a été brassée. Mais si le gars est en début de saison, où est-ce que les bacs ont commencé à se mesurer en touchant le corne, euh, proche, des, proche des lignes de gratté qu'ils vont recréer, puis tu rentres là, puis. Ah! C'est la dernière fois que le gars va faire du rattling parce que tout ce qu'il va faire, c'est qu'il va entendre souffler tout le tour parce que ce n'est pas normal à cette époque-là de l'année, c'est sûr. Michel, euh, il faut s'en aller dans, dans la période de questions. Il y en a, il y en a plusieurs de rentrées. Euh, on est dans une heure où ça, ça commence à coucher les enfants puis ça nous avertit un petit peu en, en ouais, commentaire dans les lives. La première question euh, te dit rapidement tantôt que tu faisais euh, ton rattling en déplacement euh, 45-50 minutes. Est-ce que tu entends par là que tu fais une séquence de 45 minutes de rattling non-stop? Parle-moi de ta séquence de rattling, comment, comment elle se passe? Pas pas J'appelle ça, ça des stations de chasse. J'ai même donner un nom. Je fais des stations de chasse. Souvent, la veille, je les regardé ça à la carte. Je me dis Ah, on faire ce bas de montagne-là. On tout faire le bas de la coulée. Le matin, mettons, à 7 heures. Je vais faire trois séquences de rattling à peu près à intervalle de 8 minutes, 12 minutes, en jouant à terre, au sol. Puis là, je vais attendre sur place entre 45 minutes, 50 minutes, dépendamment si je suis en temps craqué, dépendamment s'il si y a des éléments nouveaux. Puis en général, si cette journée-là, je trouve que la journée est à propos pour faire huit séances de rating, puis je décide cette technique là ou c'est carrément mon client qui me dit Moi, tu ne me laisseras pas de une cache à regarder un tas de carottes bien, on va faire ça. On va lui montrer le trajet, on va faire le bas de la montagne, on va arriver sur le premier sommet. Avant d'arriver au sommet, pour pas que le bac aille peur, je vais faire une autre séance de raccord essayer de la tirer de l'autre bout de la montagne, qui est à mille pieds. Après ça, je vais rester là une heure de temps, je vais faire cette station-là. Donc la station numéro un, la station numéro deux, et ainsi de suite. T'sais. Fait qu'à ce moment-là, je vais avoir couvert à peu près partout ce que je pense que le bac peut être dans 3 km carrés, en restant à bon vent, en restant un petit peu plus haut que lui pour l'avoir arrivé, pour être à son avantage, pour être un petit peu... Quand il va arriver, il va être un peu mal pris. Je ne veux pas que lui me voie avant. Puis là, je vais m'embusquer. Souvent, des arbres tombés, des, des arachis, des souches. Je vais mettre une cagoule. À chaque fois, je fais du ratling, Je mets ma cagoule browning. Tu vois juste mes yeux. Je mets du cache-odeur à grandeur, du sapin. Puis là, on bouge. On bouge. Au départ, toi, tu es très très station naturelle. Tu es très passage naturel, zone d'achalandage naturel, cache naturel. Michel, Terrien dans le bois, travaille de cette façon-là. Moi, c'est ce que j'ai vécu, en tout cas. Oui, bien, ça, ça dépend des secteurs. Tu si sais, je m'en vais en milieu agricole, il y a du monde qui va m'adapter, mais c'est la chasse que j'aime le plus faire. La chasse que j'aime le plus faire, c'est la chasse que j'ai commencé à faire quand j'avais 12 ans. Tu sais, je tripe à faire ça, moi. J'ai du fun à faire ça. Tu sais, je me souviens, me m'a une anecdote, un cheval que j'avais tiré de même dans le temps avec nous la belle J'avais installé des sites d'affût pour mes clients avec des places qui avaient des appâts, des places qui avaient des, des passes naturelles, puis il y a rentré un fichu de gros pendant la chasse, j'ai vu ses traces, il est rentré dans la zone, ça c'était un nouveau, un nouvel Puis, Ce Bock là il était tout le temps à ses têtes de montagne, puis lui, il descendait pendant la nuit, puis là, il, il cherchait à prendre dans la l'emprise. Puis le soir, je revenais au camp, Puis, tous mes chums, ils avaient vu 6, 7 chevreuils par jour, 6, 7 chevreuils par jour. Rendu au troisième jour, les gars commençaient à me narguer, ils ont dit hey, rien hein. <laughs> Je vois, Ah oui, il n'y a pas de chevreuil, c'est pas compliqué. Mais je n'allais pas pour voir des chevreuils. J'allais pour voir un chevreuil. Je chassais. « un ah, j'aimerais! » J'avais décidé, c'est ça ou rien. Puis lui, il valait la peine, tu sais. Fait que tout le monde, j'ai dit, « Si vous m'entendez tirer, ça sera pas un 4 points, ni un 6 points, ça va te ce une » Parce que c'est lui que je traque. Puis au fur et à mesure que je l'analysais, au fur et à mesure que je l'analysais, je comprenais comment il vivait. Puis là, à un moment donné, j'étais arrivé une place où il faisait plein d'erreurs. suis arrivé à une place, là, il avait tout gratté, il avait tout frotté. Puis là, il, il, il s'était dit, « Ici, là c'est ici qu'il m'a passé à Saint-Valentin du chevreuil. <laughs> Lui, c'est ouvert trois oh, page tender, puis il a boosté ah. sa page. Puis je suis arrivé direct là-dedans. Je suis arrivé direct là-dedans, puis tu sais-tu quoi? Même pas... Je me suis retiré. Le lendemain, il annoncé une petite plus fine. Je me suis retiré. La soir où je suis annoncer j'ai annoncé au gars demain, je le dis parce que d'après moi, il m'écoute. J'ai dit demain, là, entre 7h et 9h, ça se peut je tire une shot. Là, parce qu'il m'agaçait, il y en les autres, il en avait tiré des chevrés. Finalement, à 7h35, j'ai fait du rattling, je suis arrivé là-bas. C'était un -là, là il est sorti. Là, il était comme Rip. Quand il y a du monde qui s'en va sur le terrain à Kevin Costner. <laughs> il est venu rejoindre bête. « Hey Babe, we're getting married! <laughs> il en faisait pitié. Il est tellement rentré, agressif. Là. Dans sa tête, quand je l'ai vu arriver, là, lui, s'est dit Qui a le culot de venir dans ma forteresse? C'est moi le ben, J'ai chassé cinq jours. J'ai chassé quatre jours. J'ai vu un chevreuil. C'est le gars qui a vu le moins de chevreuil de la semaine. J'en ai vu un. Puis il est ben, Prochaine question, Michel. Euh, Luc demande pourquoi le chevreuil change de place deux semaines avant la chasse et revient deux semaines après? On va répondre brièvement aux questions parce qu'il y a du monde qui commence à coucher les enfants. là. Le quitte la place deux semaines avant, le, avant la chasse puis il revient. De... Moi, je dis tout le temps que c'est les gardes de chasse qui est remise, mais Michel va avoir une, question, une réponse plus intelligente. C'est multifactoriel, ça, je te dirais. Pour vrai, euh, je pense que l'intrusion de, de, des êtres humains, c'est un gros facteur. Tu sais, je regarde, euh, moi, je suis abonné depuis des années à, à Deer and Deer Hunting. Le oui. nom l'indique, Deer and Deer Hunting. And... dans la chasse. puis cette page couverture de cette revue-là, R-Box, Our Our R-Box, Patterning You, est-ce que les chevreuils, dans le fond, nous espionnent ouais. on, dit, on dit un beau petit bonjour à William Hunter de Mers qui a réussi à, couper, à coucher ses kids qui est avec nous autres, Will. Salut, Mister. C est, c est, excusez, tout le monde quelqu qu connaît. Quelqu'un qu'on connaît très bien. <laughs> okay. Oui. Salut, Will. Euh, dans cet article-là, ça me permet de répondre à cette question-là. Les chercheurs, qu'est-ce qu'ils ont fait Écoute. Ils ont, ils ont étudié les comportements des chasseurs parce qu'ils ont fait un groupuscule de gens qui allaient chasser d'un endroit où les chevreuils avaient des, des puces GPS. Oui. Après, ils ont étudié comment un chevreuil réagit avant que la chasse rouvre, comment il réagit quand les gars commencent à aller préparer leur cache, à aller mettre des appâts, à aller mettre des quatre trous dans le bois, mettre des odeurs. Puis ils ont expliqué d'une façon mon, monétaire, ils ont vraiment fait, l'article est incroyable, ils ont expliqué qu'à partir du matin d'ouverture, il y a quelques récoltes, là. il y a quelques récoltes qui se font, il y a, des, il y a un certain nombre de chèvres qui sont partis, comme le monsieur l'a posé dans la question, à cause d'un facteur d'envahissement. Les chèvres qui ont commencé à sentir de multiples odeurs humaines, qui soient de pleine nature, là, juste un bas de pantalon qui touche à terre, une botte qui touche à terre, ils sont capables de sentir ça. Puis s'il y en a plusieurs, là, un ils disent, il y a un nouveau prédateur de rentrée. Puis là, ils sont un peu sur le qui-vive. surtout les vieux sujets qui sont habitués qu'à chaque automne.. Euh, homo sapiens, il ne pêchent pas en tout. Tu sais. Fait que là, ils se tuent un peu de chevreuil. Puis là, 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 après ça, tu ne vois plus. Tu sais. Puis là, ils ont calculé, écoute, ils ont calculé que le jeudi suivant l'ouverture de la chasse, le jeudi, parce que là, il y a moins de monde, la monde, ils retournent au travail, ils vont retourner chasser en fin de semaine. Ouais. Les chevreuils, ils ont des patterns dans la semaine où on est dans le une... beau. Pareil comme si on était des élus et des coyotes, là. Parce que là, il y a moins d'odeur, il y a moins de coups de feu, il y a moins d'agression, il y a moins de rencontres entre des humains et des chevreuils, il y a moins de chevreuils qui souffrent, il y a moins de chevreuils en alerte. Puis là, rendu au jeudi, là, ils se sont calmés, ils font comme. Dis-moi c'est-tu l'article de Kyle McGuire, ça euh, Je te le dirai, c'est McGuire, mais. Parce que nous autres, on a, euh, on a publié un article de Kyle McGuire qui, qui est grosso modo ce que tu racontes là, mais imagine-toi donc qu'ils ont fait ça. Sur une seigneurie dans laquelle ils ont complètement arrêté la chasse il y a une quinzaine d'années. Ils ont mis des colliers GPS, ils ont mis des peu GPS et ils ont observé que les chevreuils conservaient le même comportement. L'étude tentait à prouver qu'on éduque à la longue nos cervidés, ils ont une intelligence long terme. Là. Mais L'article de Carl Maguire portait à dire qu'après 15 ans, pas de chasse dans une seigneurie protégée, on avait arrêté la chasse. Les grands mâles chevreuil avaient encore ce comportement-là. Grosso modo, dans les mêmes jours et heures qu'avaient ce comportement-là, les grands mâles dans les périodes, plus, dans, les, dans les secteurs plus achalandés, euh, dépendamment de, euh, de la présence humaine ou pas, les fins de semaine, ou etc. C'est assez capoté, là. C'est assez. Ouais, si, ben, je dire... ouais. Il y a des parallèles, Martin, exactement à ce que je suis L'article a été écrit par euh, Steven euh, Dischkoff. Les autres, okay. lui, est rattaché à Auburn University. Mais il fait des parallèles avec des études similaires qui ont été faites dans l'Oklahoma, des études qui ont été faites aussi avec des chevrons de la Floride. Puis évidemment, il y a des chevrons un petit peu plus forestiers là-dedans qui ont été étudiés oui. en terre publique, puis en terre... Euh, C'est vraiment bien réalisé. C'est surtout dans l'Alabama. Les, les chasseurs qui, qui, étaient, euh, qui étaient un peu suivis à cause de leur GPS, tout ça. Ça, c'est dans l'Alabama. Tu sais, l'Alabama, n'oublie oui. pas qu'il y a une période, tu peux tuer un chevreuil par jour en Alabama. fait que c'est une maudite belle place pour faire des recherches. Puis on voit que le pattern, il est Bien là. L'université. Ouais. Prochaine question. J'ai les, -tu les, les go autres, bio, gens vont rire. Permis, euh, oh, excuse dans la Excuse-moi, ça avait comme gelé, je ne t'entendais plus, je pensais que tu avais fini. À la prochaine question on va te faire sourire. Go bio, manque de, il manque de, de chandelles larges dans l'homme. mais on veut savoir quand est-ce que ça revient. Le monde, gelé go bio, je pense qu'ils ont, ont, ont aimé le, le concept en tabarouette. Le large dans Homme, ça revient combien? C'est une, une question qu'on a. Écoute. Ouais, on est là-dessus, là. on est en train de faire des commandes. Les, les, derniers, les dernières semaines, Martin, je me suis consacré beaucoup à l'écriture de mon deuxième livre, Homme des Bois. Puis là, là on s'en est rendu compte qu'il y avait eu des, des besoins. Là. <laughs> on va suivre les affaires, il va en avoir des t shirts. C'est juste. Ben, que... Prochaine question. Aussi, euh, aussi le fun, à quand une formation euh, de, chev... de, de, de Chevreuil de Michel? Une formation sur le chevreuil de la part de Michel. Tu donnes des formations sur l'orignal. Je veux savoir quand est-ce que tu en donnes sur le chevreuil. Le chevreuil, dans les dernières années, j'ai commencé à en donner plus à des privés, des petits groupes qui s'organisent, des associations de chasse pays un, une formation un peu, un peu dans le style des formations que tu donnes comme la, En passant pour ceux qui n'ont pas catché le message, là encore, il y a une formation spécifique à Filles de Bois qui s'en vient. Là. Euh, allez voir, sa page de Michel Thérien. Vous allez voir, il y en a une qui est juste pour les Filles de Bois. Mais comme ces formations-là que tu donnes en groupe, penses-tu faire ça un jour pour le chevreuil? Ben, un, faire ça un jour. Un, je l'ai fait beaucoup. Je l'ai fait abondamment, Martin, ça. Okay. Euh, il y a des années j'avais des agendas Chevreuil puis Ornial. Puis là, je me suis beaucoup plus concentré sur l'Ornial. Tu quand même 180 000 euh, passionnés d'Ornial. Le Chevreuil, les dernières années, les techniques de chasse ont changé. Moi, moi que, je trouvais que, les derniers cours où j'arrivais, les gens me disaient, ah, tu donnes-tu des pommes, des carottes, des panais au Chevreuil? Tu l'as vu un peu, qu'est-ce que j'expliquais? Oui, ben, Tu j'ai un intérêt à en refaire. Je vais peut-être le remettre à l'agenda. Probablement que je vais l'annoncer notamment à Fille des Bois. Je vais prendre la un l'agenda, je ferai vrai, euh, à l'approche de l'automne, dans ma session automnale au mois d'août. De toute façon, Mais on va vous tenir au courant dans les lives. C est, c est, gang, c'est sûr qu'on va vous le dire dans les lives si Mike sort ça. Euh, on va vous le rendre disponible. Mm -hmm. Prochaine question. J'ai entendu, entendu une femelle faire un grond cet automne. Est-ce que c'est possible? C'est pas supposé d'être dans son vocabulaire, mais de temps en temps, euh, le chevreuil, quand il est agressé, là, mettons dans cette situation-là, il y a un autre chevreuil qui l'agresse, ou quand il confronte un, un loup là, en situation, il y a des sons, les... ils ont bien plus de sons qu'on pense, mais il y a des sons qui sont faits dans des scénarios comportementaux qui n'arrivent pas souvent au chevreuil. T'sais. Ça n'arrive pas souvent au chevreuil. Fait que, à un moment donné, je me souviens, euh, ça m'était arrivé une fois, une grosse femelle qu'un gars il avait, euh, avant que les chiens de sang existent. Il y a un gars, puis ça, ça va peut-être répondre à la question qui était posée. Il y a une, chev une femelle chevrée très grosse qui avait été à peu près livres. de C'est gros pour une femelle au Québec. Pis elle avait été blessée dans les reins. Fait que quand je suis arrivé dessus, il était capable de se lever ses pattes, Elle m'a fait un câble exactement comme ça. Ah, un gros vrai. bêlement. Là, exactement comme un bêlement, mais qui ressemblait vraiment à un grand. Puis, il y a un autre, tantôt, euh, chez nous, on les observe, les chevrais, là chez mes parents, puis ils se battent, ils se lèvent sur leurs pattes, puis ils se battent, ils se donnent des ah oui. pattes dans le visage. là, j'en ai entendu à un moment donné, suite à une interaction comme ça, de faire un son qui était complètement Il y, y en a d'autres dans les commentaires qui disent qu'ils ont entendu ça. En oui, c'est ça. C'est un, un son qui sort, d'après moi, dans des scénarisations comportementales, qui est peu commun, sinon on l'entendrait souvent. Oh, bah, on le bien. verrait faire, parce que des fois, on a des chevreux femelles. Souvent devant nous autres, là, quand on est embusqué. Puis le, cette rareté-là fait en sorte que ce n'est pas quelque chose qui est commun. Ben, on ne l'utilisera pas dans ce sens-là, mais c'est vraiment circonstanciel. Jean-Philippe Doucet hein, nous dit Petit territoire, beaucoup de chasseurs, grosse pression de chasse, le col fonctionne pas. Comment tirer son épingle du jeu? C'est un, un gros défi pour vrai. Euh, les... Petits territoires, moi, qu'est-ce que j'essaie de faire souvent? C'est que j'essaie de créer des passes naturelles pour compétitionner avec les territoires des voisins. Tantôt, tu as vu la photo du chevreuil au sol avec des arbres tombés. Je me dis, sur ce territoire-là, mettons un petit territoire de 100 arbres, 200 arbres. Moi, je trouve pas ça si grand que ça, là, 100 arbres. J'essaie de créer des, des, euh, des petits secteurs vedettes, genre, on va aller planter des pommiers sauvages. Je vais aller créer des puits de lumière. Je vais faire canter des arbres qui vont vivre. On appelle ça des bêtes, des chevreuils. Tu, sais, tu coupes l'arbre, mais la tête reste prise. Fait que là, la sève continue de passer, puis la feuille, l'arbre fait une floraison. Je fais ça souvent avec les hêtres. Puis là, ils vont se coucher en dessous, les chevreuils. Fait que Je leur fais des bêtes, je leur fais du bois sale. Puis avec des arbres tombés, là, mettons qu'ils arrivent pour switcher sur le terrain du voisin, là, mettons qu'ils arrivent par l'est, là. là, je mets deux, trois arbres tombés. Puis là, la trail au lieu de switcher en deux, là, elle reste uniforme, puis elle rentre sur le terrain du gars. Fait j'essaye de provoquer des déplacements dans le sens de la largeur de la Terre, mais tu sais, n'es pas sujeté à des miracles. Là. Non, Surtout si l'habitat, il est ouvert. Si c'est des milieux trop ouverts, tu vas des comportements de nuit, tu sais. Fait que, euh, y a quand même moyen de rendre ça optimal petit mal en leur jouant dans la tête, peut-être avec des faux grattages au bout de la Terre, un petit peu d'appât, puis des milieux naturels où ils vont avoir une certaine cachette, tu sais. Mais c'est clair, ça représente un plus gros défi. Je réponds à une petite question de passage. Est-ce que Kate a un coup fâché, peut grunter? Donne-lui un verre de coke, tu vas rester bête. Euh, J'avance sur mon spot, c'est Eric Ford qui pose la question. J'avance sur mon spot, il est 5h30, il fait noir et pouf, je l'entends rire l'autre bord, il y a 11 secondes de délai. J'avance sur mon spot, il est 5h30, il fait noir et pouf, j'ai une femelle en plein milieu de la trail. Je fais quoi? Ouais, là, il est pas dans un Tu sais, Dans un qu'est-ce que j'aime pas? Mettons que tu es dans un et il fait noir. Moi, ma technique, là, souvent, c'est un. Tu sais, ça, c'est troublant parce que si tu veux t'en aller, sans sentent qu'ils te voient. Okay. Souvent, qu'est-ce que je fais Ça marche. T'sais. Je vois, mettons, j'ai une tente, la tente, je vais la mettre cinq semaines de montagne. Puis quand je vais sortir, dès que je sors de la tente à quatre packs je m'en vais dans l'autre bas de la montagne. Je, suis je me suis tellement fait jouer de tour avec ça. Il y a tellement de mes clients qui sont fait spooker, qui ont fait peur à des chevreuils, qui ont entravé leur succès de chasse, que j'installe mes setups de chasse, même une cage d'un arbre. En arrière, il va y avoir une touffe d'épinette. Je vais mettre des branches par-dessus l'échelle. Puis le gars, il va sortir tranquillement, tout insonorisé, l'échelle. Il va sortir, il va rentrer dans la touffe de sapin, il va saigner là-bas. Mais quand tu arrives face à face avec un chevreuil, de même, qui te regarde, Honnêtement, déjà, le mal est fait parce qu'elle te regarde. Elle, elle, elle va pas se Elle va pas venir elle, te flatter le museau. là comme on parle comme ça, là. je ne pour, euh, pour, pour éviter le plus possible de te faire souffler, qu'elle parte tranquille. La pire affaire à faire, c'est de partir vers elle, c'est sûr, oh, tu oui, sais, oui. Que tu peux faire. Moi, ce que j'essaie de faire dans ces cas-là, tu sais, je vais dire, c'est un chauvin de moi, tu sais. Fait que là, je vais, je vais juste faire des petits taillements, tu sais. mmh. 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 Là, il, va, il va devenir curieux. Puis là, il va me tourner bien. un peu, tu sais. Il va faire pareil comme avec un arnial tu m'as mangé manger des feuilles. Ça, ça m'est arrivé que là, je me suis reviré en tête, puis le chevreuil est dans le bois. Moi, je veux juste pas qu'il souffle, tu sais. Je veux pas qu'il se ça mette pas à pas. Le son d'alarme. <laughs> le de ouais, Ça, c'est le bordel, non, là, quand qu il fait une... Ça n'a ça. Pas. Ça pas été prouvé, Martin, scientifiquement, là, mais ça, c'est une hypothèse que j'ai. Puis euh... quand il souffle, l'odeur du souffle qui sort du nez, là. Ben, assurément. J'ai souvent vu des chevreuils arriver là. là. Je suis mon père dans le laboratoire. J'ai vu un chevreuil cinq minutes après. Là, exactement ce qu'il y a eu ce souffle. Est-ce que c'est -ce que que est ce est -ce est le souffle ou c'est ce que projette l'adrénaline du moment? Tu sais, mais il y a quelque chose qui se passe. situ, où est-ce qu'il y a eu une anxiété ou est-ce qu'il y a eu une peur, il y a quelque chose qui est projeté, donc, qui est très aérien. Puis les chevreuils, quand ils s'en arrivent, c'est des molécules de stress. Tu es, es, es ça break, il n'y a rien en avant. Puis, moi, je l'ai observé, ça, là, donc, Ça brille, il n'y a rien en avant. Ça regarde en avant, dans le vide. Ça tape du pied comme s'il demandait s'il y a quelqu'un, là. Puis, il revient dehors, puis il s'en va, tout simplement. Prochaine question, parce que la prochaine, tu vas en parler l'autre d'après. Tu vas en parler longtemps, puis je le sais. Puis, je vais te poser celle-là tout de suite. Je ne veux pas qu'on aille en profondeur là-dedans. On pourrait faire un live au complet, tous les deux là-dedans. Puis, tu sais, il nous la pose à tous les fois, celle-là. Trois calibres. Je te demande trois calibres sans approfondir, trois calibres de prédilection. Qui pourrait couvrir les besoins de n'importe qui pour la chasse au chevreuil? 308, en facile de trouver, des munitions, hyper versatile, pas un gros recul. Polyvalent. Extrêmement polyvalent. 308, là, pour le, pour le chevreuil, c'est un arme incroyable. Euh, un, un calibre que j'adore, la 6.5 Queen Moore, je l'adore. Belle vitesse, belle versatilité. Bonne force de frappe. tiens sais, un chevreuil, il faut y penser. Tu n'as pas besoin de jouer ça au sol. Ce n'est pas un bison, ce pas un orignal, c'est pas un grizzly. C'est une cage thoracique qui est très profilée. Dès que tu fais un trou parce dans le Pardon? C'est parce qu'elle là, là. Un Browning Micromidor, 103 308, c'est ça ce avec quoi? Kate chasse, c'est ouais. 6.5 Creedmoor mais Elle a fait son orignal ouais. l'année passée avec ça aussi. Ouais. puis Je vais en surprendre plusieurs. Là. Puis La troisième, je vais en surprendre plusieurs je vais te dire une 300-120. Lever Action, ça, c'est un classique. Pareil. Très précise. Tu sais, je veux dire, ça, c'est ça. C'est des bijoux. C'est des bijoux, là. 45-70. C'est ça. Fait tu sais, c'est des armes rapides. C'est des armes sportives. Il pèsent rien. Tu n'as pas besoin de quoi de gros. Tu veux avoir du fun avec ça sur l'épaule. Tu veux que ça soit comme ta raquette de tennis ou que ça soit comme... Tu sais, il faut... faut... Faut que tu fasses que et... Quand tu fais du rattling, c'est du tir sportif. que ah oui. ben, je... ouais, pas... Moi, pour vrai, là, ma petite 308 Browning. là, pas de je, score, je... Là, moi, là. Ma 308 Browning. Ouais, c'est parfait, ça. Martin, ma petite ma 308 Browning, c'est comme donné au suivant. Là. Je ne sais pas à combien de monde je l'ai passé. Le nombre de gibiers qu'elle a prélevé en peu de temps, je la passe tout le temps au monde, la 6,5 de l'équipe Chasse Québec. Incroyable le nombre de trous qu'elle a fait dans les poumons de hein. qu'on Ça en passe entre nous autres, ça tire balle en balle. Puis on est bien avec ça. Passer une fille, un enfant, n'importe qui. Quand tu du fun à tirer avec une arme à feu, c'est ouais. un des très bons critères importants. Non, moi, je serais. Euh, on est, on est X-Bowl beaucoup. Tu es, es Browning toi aussi. Là. Euh, je veux dire, tu peux aller tellement dans beaucoup de modèles dans X-Bowl. Celui-là est en 300. Là. Mais des... pour vrai, là, ça. Euh, les petites Lever Action. L'autre, c'est une Marlin que j'avais là oh. en euh, 45-70 Gov. Et ça, c'est un charme. là C'est un charme. C'est ça, tu ne mets pas de scope là-dessus. J'ai une euh, Winchester Lever Action en 45-0. Elle C'est bon. Ah, puis, ma puis Martin, honnêtement, mets-moi une petite 30-30 dans les mains. Là. Hey, attends, attends bouge là, pas. Je sens, là, je me sens comme Rip avec une 30-30. Et où? « Ah! j'ai trouvé! » Et voilà! Rip! Ah, regarde, c'est Rip, jeune, pas de barbe. <laughs> c est, c est, c est... Ah, je le savais, le 9 de cachet à quelque part. Il, y a ouais. il commence à avoir trop de photos qui traînent chez nous. Je peux te sortir le quoi en pleine face. La prochaine question, c'est la question qui va clore ce soir, parce qu'il est rendu quand même 20h51. On a fait deux heures de live. quand même très, très bien. Le café était très bienvenu. On, on nous demande, parle-nous du cheval de ton frère, Mike. Il a, eu une, ouais. il a fait une Christie de Belle collecte, honnêtement, là, très impressionnant. Puis, ouais. il avait, de ce que j'ai pu comprendre, il n'y avait vraiment pas beaucoup de temps pour chasser. C'est un petit peu le paradoxe de. On étudie beaucoup, beaucoup, mais là, on a, ça arrive des fois aussi qu'on n'a pas de temps pour chasser et qu'on tombe sur des choses comme ça. C'est une fichue de Belle collecte qu'il a faite. Oui, lui, il est allé. Mon frère il avait un contact au, euh, au Minnesota. Lui, il avait des terres à bois. Il y avait un contact. L'histoire est belle parce que dans le fond, il était, euh, mon frère était malade. Il était très malade, Karl-Éric, tu sais, ça m'a vraiment inquiété. Puis il m'avait dit qu'il avait préparé ce voyage-là. Il était supposé d'aller dans l'Ouest canadien. Puis il avait trouvé euh, un rapport qu'il était pris, quelque chose d'à peu près équivalent, un, un, des, des contacts de relations d'affaires qu'il y avait euh, dans le coin du Minnesota. Puis euh, finalement, il n'a pas pu y aller, il est tombé malade, il est ça, à l'hôpital, puis euh, il avait eu une infection terrible, t'sais. il faisait pitié, là, il était en pleine COVID dans les corridor d'hôpital. Puis à un moment donné, euh, ils ont trouvé ce qu'il y avait, ils l'ont traité au médicaments. puis je me souviens le médecin, il a dit, si on n'avait pas le médicament, M. chutérine, vous n'auriez pas passé au travail. Puis, ça aurait eu ça, cette bactérie-là, dans les années 50, ça, vous auriez vécu 20 jours. Puis, là, il y a une petite semaine de temps, il est parti euh, avec ses médicaments, puis euh, il avait besoin d'aller se... Ça faire une. aller respirer l'air pur, tu sais. Oui. Puis, euh, il s'est ramassé euh, sous ces terres-là. C'est une place il y avait pas tant de caméras de surveillance. Il ne il savait pas que ce tabac-là était là. Ça, c'est ça, ça, ça qui, semblait, euh, qui semblait évident parce que mon frère, il me disait qu'il était après. Il y avait une pointe de l'air puis qui était large. c'était un peu ça qu'il y qu euh, qu avait. Puis, euh, finalement, euh, ce tabac-là, il, il est tombé sur ce chevreuil-là. Il a pris lui ce chevreuil-là incroyable. mais a mis un petit gros paquet de cornes mm -hmm. après ça. Je ne me souviens plus le nombre de pointe. Il est immense. Puis, il est arrivé un petit imbroglio dans cette histoire-là. Je suis content que tu, tu me poses la question. Parce que où mon frère était, il y avait un employé. De, tu sais, des fois, il m'a amené dans la vie. Là, on est au Québec. Là. Il y oui. avait un employé. Euh, tout, tout le monde check toutes sortes d'affaires. Je m'en suis rendu compte. Il y avait un employé qui, qui allait où mon frère était parce qu'il y avait un camp qui était là. Cet employé-là, il était relié à un endroit, il appelle ça une ferme, je cherche le nom, Apple Creek, je cherche le nom. Là, il y a eu un poste qui était fait sur... On a fait la même Là, il y a une photo qui était faite du bas comme mon frère. Parce que les gars, quand on l'a vu, mon frère, lui, il sais, il arrive du Québec, mais là-bas, aux États-Unis, tout le monde se pousse, se parle, il semble qu'on lui là. Puis, lui, mon frère, son médecin, il dit, fais attention, tu sais, t'es encore vulnérable. Fait que là, mon frère, il tire ce boc-là, il a fait une couple de photos, ils ont perdu le boc, mais tout le village est venu de photographie. Tout le monde est venu de photographie. Puis, parmi ceux qui l'ont photographié, il y avait un gars en lien avec Apple Creek, tu sais. la photo, tu mon ah, frère… – C'est là, là que le frère. lien s'est fait de. Ouais, la photo s'est ramassée là. Puis là, d'après moi, il y en a un ou deux, là, qui, tu sais, qui cherchaient à trouver des. des... c'est voilà. Puis, Apple Creek, finalement, il y a en y a Il y, 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 y a du Québécois là-dedans aussi, hein. tu sais, on va se le dire, on va se le dire là, on... Moi, moi j'ai été surpris de voir les... la première ouais, fois que j'ai eu des gars. des aux États-Unis. Excusez-moi, vas-y. Ben, ce que j'ai hâte, c'est qu'on va, on va le mesurer bientôt. Là, il, oui, va oui. Se faire, il va t'en parler. Puis je te redonnerai des nouvelles de ça parce qu'il est oui. il fait, il fait bizarrement. T'sais. Puis, t'sais, même moi, quand je l'ai vu, j'avais un doute. Je regardais des J'avais un doute. T'sais. Je me suis même dit je serais peut-être échappé de quelque part parce qu'il s'en pas inconnu. Il semblait être inconnu. Moi, c'est ce qui m'a intrigué. Oui. il passé ben, moi, j'ai déjà guidé, puis euh, j'ai déjà vu des wapitis dans le bois, puis j'ai déjà vu des dindes d'Europe. Il y en a eu des échappées là, de quelque chose. Ben oui, ben oui. Pas, on n'a pas aucune certitude de <laughs> rien, tu sais. Mais les gens de la place, eux autres, ils, ils, ils chassent allègrement. Ils ne semblaient pas avoir eu connaissance d'un tel chevreuil, tu sais. Puis on va le mesurer bientôt, on va savoir. c'est euh, ouais, intéressant, ça. Ça va être intéressant. Ouais. Alors, le comportement des Québécois de face à des choses comme ça est totalement différent. Moi, la première fois que j'ai vu aux États-Unis euh, des Québécois, des, des Amiens, nous autres, qui venaient de, de, de récolter une femelle euh, sur le bord du bois et qui chiantait un peu. Ils étaient avec un trois roues qu'un local leur avait prêté ou est-ce qu'ils louaient la maison. Puis, c'est de voir trois chars arrêtés sur le bord du chemin, puis l'aider à ramasser sa femelle, puis l'embarquer dans le trailer, puis euh, euh, bravo, belle collecte, pis etc., puis oh, après, ouais, d'attacher. Ouais. Je veux dire, la mentalité est totalement différente Ici, ça va tellement rapidement. La minute qu'il y en a un qui a une corne d'un pouce de plus que l'autre, ça y est, c'est si c'est ça, t'as fait. Moi, je suis comme, c'est hallucinant. Là, je vous le dis, ça fait deux, trois fois que je vois passer la question sur le cœur du hibou. On va refaire un, un live avec Mike sur, euh, sur l'orignal, puis on en parlera. Ça, c'est comme, on s'en sauve pas, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps là. Mm -hmm. Pour ce soir, je pense qu'on peut tirer la plaque dans quatre minutes, il y a neuf heures. Euh, on va se reprendre. On pourrait être une journée complète en live, on le sait. On pourrait installer Michel devant 250 personnes, 2500 personnes euh, sur une terrasse puis le faire parler pendant une journée complète puis tout le monde resterait là. Michel, un gros, gros merci. Un gros, gros merci pour le temps que tu nous donnes. Euh, tu es officiellement baptisé « True Michael » maintenant, quand même. Tu sais, je veux dire, je t'ai donné bien des noms, mais celui-là, je l'ai ri. Hein. Ouais, là, tu viens de savoir que ça va te coller au derrière. <laughs> ouais, quand on, peut, quand on peut rire et avoir du fun dans cette communauté-là, les salons, c'est ça qui me manque? Là. Ben oui. Les gens à il y en a qui suivent ma page, ils voient un peu. Là. Je ne sais pas quelqu'un qui essaie de se prendre au sérieux. Puis, je, je veux justement terminer là-dessus, la, collé, la collégialité qu'on peut avoir, qu'on pourrait avoir mieux peut-être entre nous autres, mieux se tenir. Parce que quand il y a une cohésion entre nous autres, à ce moment-là, on peut avoir peut-être un meilleur pouvoir entre guillemets, politique. Quand politique, vient de temps faire bouger des affaires, ça ça, 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 ça me parle beaucoup. Là. Les techniques de chasse et tout ça, mais j'aime ça savoir aussi qu'on a une rigueur comme, comme peuple, les, les peuples chasseurs, quand on a des revendications à faire. Quand on travaille ensemble, puis on ne tire pas des roches dans le jardin de tout le monde, à ce moment-là, je pense, à mon humble avis, pour avoir vu des, dans certaines situations à caractère politique, des changements, mais les changements souvent surviennent quand il y a une cohésion, quand on marche ensemble, quand on essaie de faire quelque chose, qui, je me souviens, quand on avait fait le les mouvements, là, contre le registre pour la santé mentale. Oui. On était une belle gang, Maintenant, tu te souviens, à Montréal, oui. tu sais, le monde, t'avais tout ça, le monde. Tu avec avec avais trouvé ça, euh, qu'il y avait une belle énergie, tu sais, qui nous avait habité à ce moment-là, et oui. honnêtement, on avait quand même dérangé euh, là-dedans, parce que, tu sais, il y avait eu des appels, moi, qui étaient, qui étaient des appels qui venaient d'en haut en haut, Le fait que je me suis dit, OK, c'est ça qu'on a fait, on a donné un coup de pied sur une Fait que... Euh, je tu sais qu'on s'était fait, tu sais qu fait couper notre budget à ce moment-là. -là, J'avais tiré dans cette offensive-là quand, quand le projet de loi est arrivé. J'avais chiffonné le projet de loi puis je l'avais tiré dans le foyer. Puis le, le conseiller aux communications à ce moment-là du ministère m'avait appelé le lendemain à la station puis il nous avait coupé nos budgets. J'ai repris ça puis dans le show d'après j'ai ouvert avec ça. En disant qu'on avait reçu un appel après avoir sacré ça. Ça avait brassé ce bout-là, ça avait brassé pour vrai. Ça prenait du monde à qui ça ne dérangeait pas de faire comme moi j'ai cet orgueil-là. Malheureusement, j'ai cet orgueil-là. Quand on m'a dit on te coupe le budget parce que tu as fait ça à TV, ben, j'ai ouvert la prochaine émission en disant on m'a coupé le budget parce que j'ai tiré le projet de loi du registre des armes à feu dans, dans le foyer. Ça, c'est ce qui vient de se passer. Vous voulez savoir comment ça se passe dans le monde? Là? Tellement ça vient de se passer. On avait brassé pas mal, puis euh, oui, effectivement, ça a brassé de ton bord. Puis à faire aussi, tu es là, Ken Taylor es là-dedans. On avait pas mal d'alliés, puis ça. C'est le fun quand on peut ensemble faire bouger des choses. Puis, je vais t'apporter un point, Michel, que toi, tu vois pas d'où est-ce que tu es, mais qui va te démontrer à quel point il euh, y a d'autres grands dossiers qui s'en viennent bientôt, puis on va pouvoir utiliser la voix des lives pour partager, les, euh, partager nos informations. Je ne sais pas encore combien y a de personnes qui ont regardé le live, on va le savoir à la toute fin, mais juste en commentaire pendant le live, on a au-delà de 1000 commentaires dans le live présentement, il y a 212 personnes, puis je tiens à vous remercier, gang, il y a 212 partages. Ça n'arrive pas, ça. Il y a 212 personnes qui ont partagé le live qu'on est en train de faire. Ça, ça veut dire que si on arrive dans des grands dossiers comme ceux qui... On ne les nommera pas, mais on le sait qu'ils s'en viennent très bientôt, puis tout le monde sait très bien quoi. On parle, on, présentement, on parle du chevreuil, donc le next, vous le savez. Mais quand on se rendu là, la voix des lives pour partager l'information, on le voit que les gens le veulent. On le voit que les gens veulent porter la voix. Il y a 212 partages à soir. Quand on va arriver dans un grand dossier, je suis persuadé, que vous pouvez me monter ça à 1000 gangs. Puis vous n'avez pas besoin qu'on fasse tirer des prix faramineux pour être là Puis porter la bonne nouvelle. Quand on respecte une chose que tu une des personnes qui est proche du centre, du noyau. T'sais, Michel, vous ne le savez peut-être pas, mais Michel fait partie du comité consultatif qu'on a mis en place, qui est collé, collé, collé à la direction d'Aventure Chasse-Pêche. Michel passe au travers de tout ce qu'on fait à ma demande pour s'assurer de la rigueur vers où on s'en va. C'est un Il fouille ce qu'on fait de A à Z, va être un conseiller, va être... Michel fait partie de ceux qui sont dans le centre d'Aventure Chasse-Pêche. Puis c'est de par la transparence, puis de par l'honnêteté, puis le gros calvaire de bon sens des paroles que Michel va utiliser. C'est une des raisons pour lesquelles c'est Michel que je vais, que je vais utiliser, puis que je vais inviter quand on va être rendu à parler des prochains grands dossiers. Pis vous allez faire la même affaire que vous avez faite à soir. Vous allez partager ses dires, vous allez transporter ses pensées, comme vous l'avez fait dans le temps du registre avec nous autres. Et Michel, ça, ça c'est toi qui crée ça. Es, je, je te l'ai dit en personne, tu es ce genre de personnage-là. Tu es la personne que les gens adoptent et n'ont pas de misère à prendre les paroles parce que tu as toujours été transparent, tu as toujours eu une droiture, puis tu as toujours eu du gros calvaire de bon sens. Et la justesse dans tes propos fait que les gens réagissent comme ça a à soi. Enfin, moi, comme président d'aventure, je tiens à te remercier d'accepter d'être encore, de faire partie de la famille à l'interne, comme tu le fais. Tu n'es pas juste un chroniqueur vedette chez nous. Tu fais partie de mon comité consultatif, tu es collé, on va le dire de même t'es collé dans mon derrière puis je te demande de pointer des erreurs que je fais puis c'est à des gars comme toi c'est à toi que je fais confiance pour ça puis il y a pas de mentir en arrière de ça puis c'est pour ces raisons-là que je, je suis fier de t'avoir à l'intérieur de l'équipe aussi près du centre que tu les présentement. donc Mike, ça c'est toi c'est ce que tu produis les gens les gens veulent bien partager puis je pense qu'on va se rencontrer d'un prochain grand dossier aussi puis c'est pas fini on va relancer des lives inquiétez-vous pas gagne tout le monde triple bien net les commentaires sont en feu présentement Michel t'es voit peut-être pas mais euh, euh, c'est en feu, oui, True Michael, oui, effectivement, True Michael revient encore. <laughs> fait que, Mike, moi, c'est ma façon de te remercier parce que je pourrais parler de toi pendant un an sans que tu sois là, non? mais ça tombe bête, t'es là, fait, je peux te le dire à toi. <laughs> euh, Martin, je, ça me touche que ce que tu dis parce que, oui, c'est vrai, ça fait une bouche dans ce domaine-là, puis j'essaie de travailler le plus ardemment possible, de façon conséquente, en fonction de, justement de l'intérêt des chasseurs et chasseuses du Québec. Mais j'en profite aussi pour toi te remercier. Je te vois aller, toi, Kate, l'équipe, vous emmenez large. Là. Vous êtes dans des entrevues de radio, vous êtes, vous êtes là pour faire rayonner la chasse. Vous êtes là aussi de temps en temps pour mettre le pied dans des portes qu'on n'a pas le choix d'ouvrir un peu. Si on pense en relève, si on pense au futur, si on pense à une saine gestion de tout, là, que ce soit la, les pourvoyeurs, la survie des autres, la chasse, la pêche, la relève, la gestion du gibier, puis aussi inculquer des bonnes techniques de chasse aux gens. Et euh, je voulais te remercier de me faire confiance là-dedans. Puis euh, bravo pour votre belle énergie parce que l'existence de revues comme ça, avec le nombre d'années que les revues ont au Québec, on est chanceux, c'est des belles revues qui met, mettent en place beaucoup de recherches. Tantôt, tu faisais allusion à des recherches qui ont été faites aux États. On, on, on fait affaire avec beaucoup de recherches. On est proche de la division de la recherche et de la forme. On regarde tout ce qui se fait à partir du terrain. qu'on essaie de ramener ça aux chasseurs pour aller au-delà de juste des histoires de chasse. Puis, je pense que des moments comme ça, puis l'énergie que vous y mettez, ça crée justement ça, cette commotion-là, ce rassemblement-là. Puis, tant mieux si on est capable de l'entretenir encore à cette flamme-là pendant plusieurs années. Là. Ben c'est ce que je veux. Du monde comme toi, c'est ce que je veux. Hey, Mike, on va à ça pour ce soir. On ne se dit qu'à la prochaine parce qu'on en fait un autre bientôt. On va vous tenir au courant. Euh, pour ce qui est du reste, ben, l'abonnement, ça va se faire dans les… Dans, dans la, la, on a un abonnement qui, qui est à gagner à tous les, à tous les lives, vous le savez. Donc, euh, probablement demain, à l'heure qui est là, on va, on va refaire le tour des commentaires demain. Là, vous êtes plus de 1000, 1200 commentaires présentement, c'est sûr que je ne veux pas s'asseoir. Demain, on va mettre dans les commentaires la personne qui a gagné l'abonnement. À euh, aventure chasse page vous le savez, il y en a dans tous les lives. Donc, euh, soyez des notes pour les prochains. Euh, Michel, écoute, merci. Moi, je te dirais que de partir de long, on peut euh, rester là. Je vais te reprendre dans le salon VIP deux petites minutes après. On va saluer notre monde. Merci gang, vous êtes fourrés. Merci beaucoup. 220 partages, c'est, pour moi ça s'appelle une marque de, une marque d'amour de votre part envers ce qu'on fait. Puis ça nous permet de continuer puis de, de foncer par en avant. Merci Mike.